à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Presse, votre émission hebdomadaire du débat dominical sur Canal 2 International. Au menu de nos échanges ce dimanche, une exclusion qui fait beaucoup de bruit, celle de la désormais ex-vice-présidente du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Michel Ndoki a en effet été exclu de ce parti cette semaine. Une exclusion qui intervient après des mois de tension avec le directoire de ce parti. Michel Ndoki ambitionnait en effet de challenger l'actuel dirigeant du MRC, Maurice Kamto, à la prochaine élection à la tête de ce parti de l'opposition. Une secousse de plus pour le MRC, mais aussi pour l'opposition en général qui brille ces derniers temps par de vives dissensions en son sein. Quelle leçon du cas Michel Ndoki? Comment est-ce qu'on peut comprendre que l'opposition à l'état actuel puisse être une réelle alternative au Cameroun? L'alternance est-elle un sujet tabou aussi bien pour le pouvoir? À la table de nos échanges, le 10 juillet dernier, le ministre des Domaines du cadre des affaires françaises, Henri Eyebe Ayissi, a instruit au délégué départemental de son département ministériel pour l'océan d'annuler 127 titres fonciers délivrés à des individus sur le site recouvrant le projet d'exploitation du gisement de fer de Lobé. Ces derniers, informés de ce projet, avaient réussi à acquérir les 10 documents manifestement de façon irrégulière. Un scandale foncier de trop, peut-être au Cameroun, après plusieurs autres du même genre, et qui nous amène ce matin à interroger une fois encore la question foncière au Cameroun. On en parlera dans cette édition de Canal Presse. Voilà donc pour le menu de ce dimanche. Je vous propose de prendre une transition. On se retrouve juste derrière pour découvrir notre panel. Et pour échanger avec nous sur la table de Canal Presse ce dimanche, ils seront 5. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous encore un habitué presque de ce plateau, M. Célestin Diamène, qui est avec nous. Bon dimanche à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Albertine, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Merci de me convier à cette très belle émission. Je suis toujours ravi d'être là pour essayer d'apporter, si j'ose dire, mes contributions intellectuelles à ce que nous regardons. Donc, cette thématique. Les autodéfenses dans les quartiers sont d'une importance qu'on ne peut plus revenir là-dessus parce que les exemples ont démontré que c'est grâce à l'autodéfense que le grand banditisme, la criminalité a été maîtrisé un peu dans beaucoup de points dans la ville de Douala. Et je pense que la question maintenant, c'est qu'il faut pratiquement encadrer les autodéfenses dans les quartiers. Parce que ces mêmes bandits brigandiers qui deviennent aujourd'hui des acteurs d'autodéfense, la nuit, sont à la fois en train d'être se faire passer pour l'autodéfense pour également continuer à agresser. Donc je crois que c'est important de multiplier les équipes d'autodéfense dans les quartiers, mais il faut suffisamment les encadrer, à la fois par les forces des quartiers, mais également par les forces de maintien de l'ordre. Super. Comme cela se fait avec la police municipale. Peut-être. Parce que je pense que c'est les forces de sécurité qui doivent mettre la population en sécurité. Ça, c'est mon opinion. Moi, je pense que c'est bénéfique. Et surtout quand on a confiance aux personnes à qui on remet de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de clubs d'autodéfense ici qui sont créés. Autour
Retour sur le plateau de Canal Presse. Toutes nos excuses des soucis avec la fourniture de l'énergie électrique ce matin dans la capitale Yaoundé. On en parlera certainement dans nos prochaines éditions, mais nous en étions à l'étape des présentations. Et je disais que j'étais contente d'avoir avec moi ce matin sur ce plateau M. Célestin Djamène. Une fois encore, bon dimanche et merci d'être là, M. le Président du Parti à part. Merci Albertine et bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Merci pour l'invitation. Nous sommes là pour, en tout cas pour ceux qui me concernent, pour apporter nos éclairages, s'il le faut, nos contributions intellectuelles aux différentes thématiques que vous exposez tout à l'heure. Merci beaucoup. Avec nous également ce matin, M. Ernesto Yenné. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Albertine, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère qu'ils auront l'opportunité de terminer l'émission avec nous, parce qu'il paraît qu'à Béto, en ce moment, c'est compliqué, là-bas, avec l'énergie électrique et Bamaï aussi. Donc voilà, c'est un plaisir d'être là. Vous êtes activiste de la société civile, c'est en tout cas comme ça que vous vous identifiez vous-même. Vous venez également de la Fondation Conseil Jeune. Oui, c'est une association qui aura bientôt 20 ans, qui a travaillé sur les questions de suivi des politiques publiques, avec des organisations comme Un Monde à Venir, les amis citoyens, sur les questions électorales aussi, que nous avons observées depuis peut-être, je crois, 2007. Donc voilà, c'est un ensemble thématique qui nous concerne en tout cas. Merci. Florence Dikoumé avec nous également ce dimanche. C'est un plaisir. Bonjour madame, merci d'être là. Bonjour Albertine, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Je suis beaucoup plus accrochée pour le problème du foncier, parce que quelque part du côté de chez moi, on a connu le problème d'Ikolo. Je crois que ce sera l'occasion pour toutes les populations de la côte camerounaise qui vivent trop cette situation, de comprendre un peu ce que c'est que d'être un propriétaire foncier, ce que c'est que l'autochtonie, ce que c'est que vendre le terrain à l'OGM ou faire une donation. Je crois qu'avec tous les brillants cerveaux qui sont sur le plateau aujourd'hui, ils seront suffisamment éclairés qu'à l'avenir, cela ne se reproduira plus. Merci, madame, d'être là. Vous êtes là en tant que communicatrice du RDPC. Vous venez du parti donc au pouvoir. Merci. Merci. Avec nous également ce dimanche, maître Simon-Serge Kakak. Bonjour. Bon dimanche, maître. Bonjour, Albertine Bitiaga. Bonjour à tous les copanélistes. Et surtout, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Kinox, de Canal 2 International. Vous êtes bien à Canal 2, maître. Oui, tout à fait, Canal 2 International. Et je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble des Camerounais. Et je pense que les thématiques de ce jour vont nous permettre de les édifier profondément, parce qu'en réalité, c'est des débats qui contribuent de manière déterminante à la formation citoyenne et républicaine de nos populations. Alors, avocat au barreau du Cameroun, mais vous êtes surtout le président de l'association Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance. Oui, tout à fait. C'est une association panafricaine qui travaille depuis plus d'une dizaine d'années dans la gouvernance, des questions de gouvernance sur le continent africain. Donc, lorsqu'il y a des problèmes de gouvernance qui se posent, comme le problème foncier que madame du RDP s'est posé tout à l'heure, l'association Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance se sent interpellée au premier chef. Merci d'être là. On reviendra à vous tout à l'heure. Avec nous également ce dimanche pour terminer avec les présentations, le professeur Prosper Kouvandor. Bon dimanche à vous, professeur. Merci d'être là. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à ceux qui nous font l'amitié de nous regarder en ce dimanche. Merci pour cette invitation et souvenez-vous que vous avez beaucoup insisté et comme je ne peux rien refuser à une charmante dame, merci. J'ai dû sacrifier certaines de mes obligations essentiellement sportives en ce moment où le Ngaoundéré Football Club, le club dont je suis président, doit venir, est venu à Yaoundé et à partir de 15h tout à l'heure, doit commencer à défendre les couleurs de la région de la Damawa, région château d'eau du Cameroun. Et j'espère qu'à la suite de notre séjour à Yaoundé, nous rentrerons, je vais dire, avec le Ngaoundéré Football Club triomphant pour offrir ce trophée, celui du championnat Interpol 2023, aux braves populations de la Damawa et bien évidemment à monsieur le gouverneur qui nous a dit au revoir, qui nous a bénis, à monsieur le Lami de Ngaoundéré qui nous a dit au revoir, qui nous a bénis. Merci une fois de plus pour cette invitation. J'ai peut-être oublié mes salutations à mes copanélistes du jour. C'est avec beaucoup de bonheur que je me trouve sur le plateau avec certains, et aussi avec beaucoup de bonheur que je retrouve certains que je n'ai pas vus depuis un bon bout.
Vous avez décliné une bonne partie là, de votre casquette, de vos différentes casquettes, mais vous n'avez pas trop parlé de l'homme politique. Vous êtes également le président du Parti Univers. Oui, l'expression consacrée de ce côté-là pour désigner le leader, c'est le capitaine exécutif. Le capitaine. Parce qu'il y a bien un président quelque part, mais qui s'occupe beaucoup plus des questions internes. C'est pour ça qu'il est très peu connu. Mm-hmm. Le capitaine exécutif est celui qui est le plus visible parce que c'est lui qui mène les opérations sur le terrain et chargé, bien évidemment, des combats parce qu'il faut savoir que la politique, en politique, il y a de l'adversité. Et on parle donc de combat, et ce n'est pas exagéré de le dire, mais évidemment il faut un capitaine, avec l'espoir peut-être qu'un jour le capitaine passera commandant, colonel, pourquoi pas général. Okay. D'accord. Alors on prendra tout à l'heure la revue de presse, mais avant je voudrais appeler quelques-uns sur le plateau à réagir sur des questions d'actualité qui vous tiennent certainement à cœur. Je vais commencer par Simon-Serge Carcac, sur la question de cette fusion qui a beaucoup fait parler également ces derniers temps, ça fait partie de l'actualité, ECAM-JICAM. Vous avez fait une sortie là-dessus et vous avez salué cette fusion, il faut dire que qui avait été décriée par plusieurs personnes, elle a finalement eu lieu cette semaine. Mais vous avez également appelé à faire attention au danger de cette fusion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour venir sur ce sujet d'actualité? Monsieur Don Albertine Bitiaga, j'avoue que vous m'interrogez là sur une thématique qui me préoccupe particulièrement. Parce qu'en réalité, lorsque je suis les compatriotes sur cette question, j'ai le sentiment et même la conviction que beaucoup ne cernent pas les enjeux de cette affaire. Parce qu'en réalité, c'est avec cette fusion, création entre le JICAM et ECAM, que le patronat camerounais commence à s'intéresser véritablement aux intérêts économiques de notre pays. J'ai suivi certains compatriotes dire sur des plateaux de télévision que le JICAM a 66 ans d'âge pour avoir été créé en 1957. Mais je dois dire ici qu'il s'agit là d'une grosse contre-vérité. Parce que ce qui a été créé en 1957, ce n'était pas le JICAM. C'était une organisation patronale qu'on avait dénommée à l'époque Groupement interprofessionnel pour l'étude et la coordination des intérêts économiques. Le mot Cameroun ne se trouvait pas dans cette dénomination, première chose. Et deuxième chose, cette organisation patronale était presque exclusivement dédiée à la défense des intérêts des multinationales occidentales qui se déployaient au Cameroun à cette époque-là. Souvenez-vous, lorsqu'on vous parle de l'année 1957, c'est une année historique pour notre pays, parce qu'au lendemain de l'accord cadre qui avait été adopté en France, on nous avait donné l'opportunité d'accéder à l'autonomie interne qui nous a permis d'avoir un gouvernement et organiser les premières élections législatives dans ce pays qui nous ont permis d'avoir l'ALCAM qui avait remplacé à l'époque l'ATCAM, ça veut dire Assemblée territoriale du Cameroun. L'administration coloniale, voyant donc le Cameroun foncer inexorablement vers l'indépendance qui eut lieu 3 ans après, a tout fait de trouver un stratagème pour protéger les intérêts de ces multinationales qui faisaient les affaires au Cameroun. Voilà ce qui motive la création de cette organisation patronale. Vous allez voir que les intérêts de notre pays ne s'y trouvaient pas. La preuve est que lorsque vous prenez la gouvernance de cette organisation patronale de 1957 à 1992, cette organisation était exclusivement présidée par les directeurs des multinationales. Le tout premier président de cette organisation s'appelait Joanès Deportes. Il était directeur général de Bastos, qui avait ouvert une usine ici, dans un village qu'on appelait Nkolmangisa, qui est devenu Bastos, un quartier huppé de la ville de Yaoundé. Il a occupé le poste de président de cette organisation pendant 11 ans. Il a été remplacé en 1968 par le directeur général de Alucam, à l'époque où Alucam était une filiale du groupe français Pechenez. Il s'appelait Bernard Crétin. Il a occupé le poste pendant 5 ans, jusqu'en 1973.
En 1973, il a été remplacé par le directeur général de la SCOA, qui est devenu ce qu'on appelle le jeu CFA aux technologies. Il s'appelait M. Gérard Biquet. Il a occupé le poste de président pendant 4 ans. En 1977, il a été remplacé. C'est très important parce qu'il faut que les gens comprennent les enjeux de la fusion. Parce que si vous ne rentrez pas dans l'histoire, vous ne pouvez pas cerner les contours de cette affaire. Et pourquoi il faut saluer l'action du président Célestin Tawamba? Parce que pendant 32 ans, c'est une affaire qui était dirigée par les Occidentaux et qui servait les intérêts des Occidentaux. Tous les directeurs généraux, tous les présidents étaient les directeurs généraux des multinationales. Jusqu'en 1992. En 1992, il y a une pression des acteurs économiques nationaux qui décident, en fait, qui ont mis la pression sur les multinationales pour lâcher le leadership patronal au Cameroun. Mais même jusque-là, le président camerounais qu'on avait élu à l'époque était toujours au service des multinationales parce qu'il était directeur général de la société anonyme des brasseries du Cameroun. Donc, c'est véritablement, il faut que les gens le sachent, en 2009, lorsque M. Olivier Bellé a été élu président, que les intérêts des Camerounais ont commencé à être pris en considération par ce groupement interpatronal. Voilà donc ce qui se passe. Maintenant, les jalons de la nationalisation des intérêts ou bien des ambitions du JICAM ont été posées par le président André Fosso, qui malheureusement a quitté ce monde en 2016. Il a été remplacé un an après par le président Célestin Tawamba, après un intérim assuré par un Français qu'on appelait Armel François, qui était à l'époque directeur général de PHP, hein, les plantations de Opendia. C'est donc en 2017, lorsque le président Tawamba devient président, il faut que les gens le sachent. Pour finir, dans son discours d'investiture, il a dit son principal challenge, c'est d'avoir un patronat fort, un patronat crédible, un patronat performant, un patronat au service du Cameroun et des intérêts économiques du Cameroun. C'est pour ça donc qu'il a annoncé dans son discours qu'il va tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une fusion entre le JICAM et ECAM. ECAM étant le patronat des petites et moyennes entreprises. Voilà le fondement du... Maintenant, la fusion est donc venue. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas... Je vous en prie, maître, je vais donc chuter pour dire ceci. Qu'est-ce qui justifie la nature, le choix de la nature juridique de cette fusion? C'est-à-dire on a opté pour une fusion création et non une fusion absorption. Tout simplement parce que, effectivement, à partir du moment où l'économie du Cameroun est contrôlée pratiquement à plus de 50% par les petites et moyennes entreprises, il fallait que leurs intérêts soient pris véritablement en considération. C'est pour ça qu'en optant pour la fusion-création, cela allait permettre au nouveau patronat camerounais, j'allais dire, de s'intéresser d'une part aux intérêts des multinationales et des grands acteurs économiques qui constituaient les JICAM et d'autre part aux intérêts des petites et moyennes entreprises et même des très petites entreprises qui constituaient ECAM. Donc la forme la plus indiquée ne pouvait être qu'une fusion-création. Merci, maître, pour ces éclairages sur ce sujet. On en reparlera certainement. Autre sujet qui nous intéresse également ce matin, hein, je disais quelques sujets d'actualité qu'on ne pourra pas aborder en long et en large. C'est avec vous, vous l'avez dit, professeur Nkouvandor, vous êtes surtout là pour ce match que va livrer votre équipe tout à l'heure dans le cadre de... Ce sont les Interpools, c'est comme ça que vous les appelez. C'est un tournoi qui regroupe les 10 champions régionaux. Exactement. Sortis dans des ligues régionales. Exactement. Vous avez donc 10 champions qui vont s'affronter pour découvrir le super champion des Interpools. Gaoundéré Football Club est en lice sur cette question. On vous souhaite bonne chance pour le match tout à l'heure. Sauf que, entre-temps, le torchon brûle au sein de la fédération. Et il faut le dire, les matchs se jouent, c'est une bonne chose, mais au sein de la fédération, ce n'est pas le grand amour. Et il y a encore cette sortie récente, elle est intervenue hier, du président Diala Kwan, ex-membre du comité exécutif de la fédération camerounaise, qui a donné une conférence de presse à Limbé, au cours de laquelle il a tenu des propos jugés incendiaires. Il a par exemple indiqué que tous les membres du COMEX se faisaient manipuler par le président actuel. Comment est-ce que vous avez apprécié cette sortie? Et un mot peut-être sur cette conférence. Je suis membre du comité exécutif de l'Africa Food et quand vous me regardez droit dans les yeux, je suis manipulable. Je ne peux pas savoir. Écoutez, qu'on arrête un peu n'importe quoi. Et d'abord, je vais vous dire qu'à l'Africa Food, il n'y a pas de torchon. Et d'un et de deux, rien ne brûle de ce côté-là. Absolument rien. Que ceux qui veulent s'agiter
pour essayer de dénigrer les actions du comité de la Fédération camerounaise de football. J'ai bien envie de dire aux uns et aux autres que la Fédération camerounaise de football est dirigée par un comité exécutif. Ce n'est pas M. Samuel Eto'o qui dit la FECAFOOT. Il y a un comité exécutif qui prend les décisions et M. Samuel Eto'o, président du comité exécutif, chargé simplement de coordonner les débats et les activités du comité exécutif, se charge de l'exécution des décisions qui ont été prises par le comité exécutif. Tout ce que vous voyez Samuel Eto'o faire là, il nous consulte, nous en discutons, parfois en vidéoconférence, nous en débattons. Et je suis très gêné, permettez-moi de vous le dire, quand vous me posez une question en parlant de Samuel Eto'o et de Monsieur Ndjalakwan. Mais soyons un peu respectueux dans ces pays. Lorsqu'on parle de football, vous posez sur la table un monsieur comme Samuel Eto'o et vous parlez de qui? De Ndjalakwan? Mais qui est-il dans le monde du football? Posez-moi, de quel club? Mais on parle de Samuel Eto'o, vous parlez d'un président de club de quartier. Je suis président de Ngaoundéré Football Club, un club régional en ce moment. Je ne peux pas prétendre un seul instant que de ma posture de petit président d'un petit club, je suis déjà au niveau d'une école planétaire comme Samuel Eto'o, qu'on ait un peu de respect. J'aurais bien aimé qu'une question soit posée pour un débat, Samuel Eto'o, Georges Weah, Samuel Eto'o, Cristiano Ronaldinho, Samuel Eto'o, Zinedine Zidane, et peut-être au niveau national, Samuel Eto'o, Roger Milla. Mais j'ai envie de dire, autant vous devez avoir du respect pour Samuel Eto'o, autant vous devez avoir du respect pour le membre du comité exécutif que je suis, défenseur du football, et qui n'a donc pas à débattre de ce genre de sujet. On oppose une icône planétaire à quelqu'un qui parle étant à Limbé. Vous le connaissiez avant? Oui, peut-être son père, parce que c'est le fils de Ndjalakwan. Qu'a-t-il déjà fait? Quels sont ses états de service en matière de football? Mais permettez-moi de m'arrêter là. Merci d'avoir réagi. Je vous propose de revenir sur les autres sujets d'actualité qui ont meublé la semaine dans le cadre de la revue de presse. C'est une signature de Titi Freeman. A tout de suite. Dominicalement vôtre. À la une de l'actualité cette semaine, la lutte contre l'usage du formol sur les produits alimentaires. Dans les marchés à travers le pays, la substance chimique est utilisée pour conserver ou faire mûrir de manière artificielle la banane plantain, les fruits, les légumes, la viande et le poisson. Un danger, selon Cameroun Tribune, qui informe qu'une croisade contre cette pratique dangereuse est lancée depuis mardi à Tchan, dans la région de l'Ouest, où l'autorité administrative annonce des descentes dans les espaces marchands. Les dangers de ce produit sur la santé sont listés dans les colonnes de l'économie quotidienne. L'alerte maximale aux poissons pourris cette fois-ci est donnée par l'Indépendant. Le billet hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage s'appuie sur les conclusions effroyables d'une inspection d'experts du ministère de la Santé sur plus de 300 conteneurs de l'entreprise Congelcam parqués depuis plusieurs mois au terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Il rajoute que la décision du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales de détruire dans les prochains jours cette cargaison de poissons avariés survient au moment où, furtivement, une dizaine de conteneurs disqualifiés à la commercialisation est soustraite du terminal pour une destination inconnue. Le même journal évoque en pied de une le patronat où la messe est dite. La fusion du JICAM et CAM validée nous apprend le quotidien Le Jour. Les membres de l'organisation patronale ont voté le projet à plus de 73%. Une nouvelle page s'ouvre donc pour le mouvement patronal au Cameroun, fusionnel d'après mutation. Dans une autre parution, le tabloïd parle de Michel Ndoki, exclu du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le quotidien Le Jour renseigne quant à lui que trois accusés, dont l'assassinat de Brian Fombor, sont condamnés à la prison à vie. Ils ont été déclarés coupables d'assassinat en coaction. Ecomatin s'intéresse pour sa part au transport urbain
et informe qu'après l'échec du tramway, le gouvernement camerounais annonce la construction d'un téléphérique à Yaoundé. À l'initiative de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, la future infrastructure aura vocation à juguler les embouteillages dans la capitale. En santé, le test Covid-19 des voyageurs entrants est désormais annulé au Cameroun. L'information est du quotidien Éco-Santé, basé sur la circulaire transmise par le ministre de la Santé publique en juin dernier. Le journal précise que les voyageurs sortant du Cameroun sont toujours astreints aux exigences sanitaires de leur pays de destination. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à retenir cette semaine. Bon dimanche et à dimanche, s'il plaît à Dieu. Merci à Titi Freeman pour la revue de presse de ce dimanche. Et avant d'entamer le premier sujet qui nous intéresse ce jour, cette petite précision, vous l'avez constaté, nous n'avons pas de représentants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur ce plateau. Ce n'est pas faute d'avoir essayé jusqu'à hier. Ils étaient censés être représentés sur ce plateau, malheureusement pour des raisons d'indisponibilité et manifestement des raisons de programmation au niveau du parti. Ils n'ont pas été disponibles pour aujourd'hui. On n'a pas voulu faire un débat sur le MRC, sans le MRC. Alors on espère que tous ceux qui sont là pourront répondre à cette question, encore qu'on n'est pas en train de faire le procès de ce parti sur ce plateau. Il s'agit de décrypter bien sûr l'actualité. Alors je reviens sur ce sujet. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'un des principaux partis de l'opposition, qui a donc définitivement exclu Michel Ndoki cette semaine, une des principales figures de ce parti, après des mois de tensions et des compréhensions avec le directoire sur ses intentions. La décision a été rendue publique officiellement le 13 juillet dernier. Une décision de 48 pages qui est datée du 6 juillet 2023, signée de l'instance disciplinaire du parti. La sentence est prononcée pour cause, je cite, de refus de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti. Michel Ndoki, qui ambitionnait donc de challenger l'actuel dirigeant du MRC, Maurice Kamto, lors de la prochaine convention du parti, est donc stoppé net dans cet élan. Je vais commencer par vous, Célestin Ndjamen, et ce, naturellement, parce qu'il s'agit là de votre ancien parti, vous qui sembliez mieux maîtriser sur ce plateau le MRC, mais également Michel Ndoki. On ne reviendra pas sur les déboires que vous avez connus avec votre ancien camarade au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce que, lorsque vous avez appris cette actualité, vous avez été surpris, vous, par cette décision, par cette issue dans les tensions qui animent aujourd'hui les deux partis? D'abord, je ne suis pas un spécialiste du MRC. Certes, je suis ancien militant, mais ça ne me donne pas le titre de spécialiste. Et autre chose, par rapport à ce refus du débat du MRC, je trouve tout à fait malsain de la part d'un parti politique qui se veut démocratique de refuser le débat démocratique. Non, de qui ils n'ont pas refusé. Hein. Ils ont dit que ça avait été empêché. Ils n'ont pas pu. On connaît les prétextes qui sont récurrents. Il y a beaucoup de personnes. J'appelle ça, j'assume mes propos, le refus du débat démocratique. Parce qu'ils ne sont pas dans une logique de débat d'idées, ils sont dans une logique de fanatisme villageois. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'idées à soumettre aux Camerounais, donc ils fuient le débat. Canal 2, c'est une chaîne très regardée, très écoutée, c'est l'occasion pour eux de mettre les choses au clair. S'ils ne le font pas, c'est parce que, sans connaissance de cause, ils refusent, n'est-ce pas, la confrontation démocratique. Premier point. Alors, votre question, vous me demandez si j'ai été surpris. Non, pas du tout. D'abord parce que la concernée elle-même, Michel, l'a dit il y a quelques semaines lors d'une conférence de presse. Ouais. Elle avait annoncé subtilement, n'est-ce pas, son exclusion qui était déjà fomentée par le directoire sous la présidence et sous, la primature du grand timonier, n'est-ce pas, qui donne quasiment, des tendances, des décisions qu'il faut prendre. Donc je ne suis pas surpris. Et par ailleurs, j'estime qu'il y a quand même un jeu assez pervers qui consiste à croire que le fait d'être candidate, de se porter candidat au poste dans un parti, notamment quand il s'agit d'un poste de présidence du parti, est un crime de lèse-majesté. Parce que, qu'est-ce qu'on lui reproche? On dit qu'elle n'a pas été conforme à la ligne politique du pays. Mais attendez, je prends l'exemple très banal. Quand vous venez à Canal 2, par exemple, pour postuler un emploi, vous connaissez la ligne éditoriale de Canal 2. Vous savez à quoi vous en tenir. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas tirer contre votre employeur.
sauf si vraiment vous êtes dans une posture suicidaire. Je ne pense pas que c'était le cas pour Michèle Dockey. Elle a adhéré librement, de manière individuelle. Elle savait parfaitement bien que le MRC est un parti social libéral. Elle connaissait donc la ligne politique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il se passe qu'elle a pris la décision, c'est son droit le plus strict, quand on regarde les statuts, n'est-ce pas, du MRC, c'est terminé. Chaque candidat qui remplit ces conditions doit être en droit de se porter candidat, y compris à la magistrature de ce parti suprême, de ce parti politique. Alors, il se trouve qu'un de ses camarades, Maître Richard Tonfou, s'est déclaré ouvertement comme soutien d'une candidate, ce qui est son droit. Je rappelle que moi-même, j'étais candidat validé face à Nijon Frondi il y a 17 ans, en 2006. Il ne m'a pas égorgé, il ne m'a pas exclu du parti. J'étais candidat jusqu'au bout. Donc, Maître Richard Tonfou, son confrère, a décidé de soutenir publiquement sa camarade. C'est son droit. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a subi? Les foudres du directoire, sous l'impulsion de leur président, l'excluant des réunions du directoire, l'excluant des groupes WhatsApp, bref, l'excluant de manière quasiment pratique du directoire du MRC. À partir de là, il est normal que la candidate entre dans un courroux. J'appelle ça un coup de colère. On ne peut pas avoir un soutien au sein du parti et qu'on me fasse croire insinueusement que je n'ai pas le droit d'avoir des soutiens dans mon parti pour un poste dans le parti. C'est totalement soviétique comme méthode, c'est antidémocratique. Donc c'est dans cette ambiance-là qu'elle a déclaré qu'effectivement, rien ne me fera reculer. Bon, elle a peut-être tenu les propos qui ont dépassé sa pensée, mais ça ne méritait pas une exclusion. Il y a une graduation dans tous les partis politiques, n'est-ce pas, d'une exclusion. Ça part de l'avertissement, ça part du blâme, d'une suspension de son poste. Elle est vice-présidente des femmes du MRC. On aurait pu lui lancer un avertissement formel. On est passé directement, n'est-ce pas, à l'exclusion. Ça veut dire qu'il y avait un plan contre elle à partir du moment qu'elle a osé se porter candidate contre le gourou. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà son crime. Bon, on a essayé de maquiller cela. Ah ben oui, vous savez, elle a été indisciplinée, elle n'a pas respecté la ligne politique du parti, elle a tenu des propos mensongers. Ça veut dire quoi tout ça? Ça ne veut rien dire parce qu'au moment des faits, quand elle crée son courant de pensée, je rappelle que dans les partis politiques, en général, il y a des courants qui sont autorisés dans le parti politique. Ce qui ne veut pas dire qu'on renonce à la ligne politique du parti. Dans le Parti socialiste en France, au Sénégal, dans le PDS, il y a eu Macky Sall contre Ouad. Il n'a pas été exclu du PDS parce qu'il avait créé un courant des patriotes dans ce même parti. Jospin avait créé un courant, M. Rocard au Parti socialiste avait créé un courant. Pour autant, il n'a pas été exclu du Parti socialiste. En Afrique, c'est la même chose. Donc, faire croire qu'on exclut Ndoki parce qu'elle n'aurait pas respecté la ligne politique du parti, je trouve ça horrible, pervers. Et ce n'est pas un parti qui est digne d'être dans la cour, n'est-ce pas, des partis politiques. Je termine en disant ceci. Vous savez, on aurait pu convoquer Maître Ndoki au conseil de discipline, insister pour qu'elle soit présente pour proposer sa défense, pour se défendre et même la relancer. Ça se passe comme ça. Quand on met en place une enquête disciplinaire, vous êtes invité physiquement à défendre vos positions. Ça n'a pas été le cas. On lui a sorti le couperet de l'exclusion directement, sans passer ni par le blâme, ni par l'avertissement, alors que les faits qu'on lui reproche étaient totalement banals. Parce que quand je crée un courant de parti, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que j'ai envie non pas de détruire mon parti, j'ai envie de régénérer de l'intérieur mon parti politique. Ça ne peut pas et ça ne doit pas être un crime dans le parti politique. Pardon. La preuve, c'est que aujourd'hui, pour finir, elle a voulu vraiment, j'ai causé avec elle pendant très longtemps, des années à l'avance, au moment où elle créait ce courant, les bâtisseurs et les enfants de la terre dans le parti, on ne l'a pas exclu. Pourquoi? Pourquoi attend-on 2 ans pour l'exclure? Ça veut dire qu'ils ont profité, effectivement, de cette tentative ou de ce dossier de candidature pour essayer de fabriquer tout un tas de motifs bidons pour l'exclure. Il lui fallut l'exclure le jour où elle a créé les bâtisseurs et s'appuie sur ça comme motif pour dire qu'elle n'a pas respecté la ligne politique. Mais ça fait longtemps dans ce cas-là. Donc il y a une hypocrisie terrible et ça démontre que ce parti n'est pas digne, n'est-ce pas, de faire la politique dans le sens moderne que l'on entend, c'est-à-dire une politique ouverte sur le débat d'idées, ouverte sur la concurrence des idées politiques.
Maître Kakak, chaque parti politique a son code disciplinaire, on est d'accord, son règlement, son mode de fonctionnement. Mais est-ce que selon vous, cette décision a respecté les règles de l'art? Est-ce qu'elle a respecté l'éthique qu'il faut? Comment est-ce que vous l'appréciez en tant que juriste, cette décision-là? Il faut dire que Michel Ndoki, qui s'est exprimé sur la question, c'est une interview exclusive qui sera d'ailleurs diffusée ce soir sur les antennes de Canal 2. Il y a quelques extraits déjà qui ont été rendu public. Elle a estimé que ce document de 48 pages, parce que c'est un document de 48 pages qui a été rendu public pour motiver cette décision, ce document de 48 pages n'avait pour effet que de justifier une exclusion qui n'avait pas de sens. Comment est-ce que vous avez apprécié cela sur le point de vue d'un juriste qui observe ? Albertine, je vais être très sincère avec vous. Vous savez, je suis sur le plateau, j'ai une double casquette. Je suis un communicant de l'Union des populations du Cameroun. Exactement. Donc je suis un militant de conviction. Première chose. Et deuxième chose, je suis président d'une association panafricaniste qu'on appelle Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance. Vous savez, je dois vous avouer que moi j'ai été formé à l'école de la contradiction. En venant sur ce plateau, parce que lorsque vous m'avez envoyé le conducteur de cette émission, j'ai vu qu'il y avait un représentant du MRC qui sera avec nous sur le plateau. Sincèrement, j'ai prévu un certain nombre d'observations que je voulais développer ici, en sa présence. Bon, déjà, l'éthique politique que j'ai reçue et ma formation d'avocat qui... Parce que l'avocat, c'est quelqu'un qui aime la contradiction. Je suis de ces conseils-là qui aiment toujours plaider en présence du contradicteur. Lorsque le contradicteur n'est pas là, je suis très mal placé pour faire des observations sur la vie de ce parti dont je ne suis pas membre. Donc, objectivement... J'avoue que c'est une situation très embarrassante pour moi. Je ne me sens pas prédisposé à parler du MRC en l'absence de son représentant sur le plateau. Parce que vous savez, nous sommes en politique, cela peut être interprété autrement. La seule chose que j'ai pu dire, c'est que l'exclusion... Mais en tant que juriste, vous pouvez... En fait, on ne peut pas forcément dire merci. Hein. Et c'est un sujet qui va ouvrir sur la question des partis de l'opposition. Justement, c'est pas une fixation. En tant que juriste, je vais vous dire que je n'aime jamais apprécier une situation sur laquelle je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. Mmh. Vous comprenez, j'ai suivi l'exclusion de ma jeune consoeur, Michel Ndoki, dans les médias. Je n'ai pas toutes les données juridiques pour apprécier, parce que j'aime apprécier quand j'ai tous les éléments. Maintenant, ce que je peux dire, et ça vient du fond de mon cœur, cette exclusion est regrettable. Non seulement pour le MRC, mais pour l'ensemble de l'opposition. Parce que nous autres, aujourd'hui, nous travaillons pour qu'il y ait une dynamique alternative, pour qu'il y ait une force politique alternative dans ce pays, pour proposer quelque chose de concret en 2025 aux Camerounais. Mais lorsque nous, les partis d'opposition, nous continuons toujours dans cette bataille de leadership, dans cette bataille totalement stérile pour l'éclosion démocratique, d'abord dans nos formations politiques et dans notre pays par la suite, j'avoue que c'est une situation assez regrettable. Mais objectivement, je ne me sens pas prédisposé à apprécier juridiquement la décision qui a été prise. Situation regrettable, vous pensez vous aussi, Ernesto Yenet, pour ce parti-là. Quel message, selon vous, cette exclusion peut envoyer dans le contexte que l'on connaît, celui d'une femme qui a décidé de se présenter contre son président et l'exclusion, elle arrive. Comment est-ce que vous appréciez tout cela? Ce qu'il faut lire, peut-être pas dire sur cette affaire, c'est que les 48 pages témoigne de la suffisance que Maître Ndoki était aimé par ses camarades. Parce que pour vous condamner après 48 pages, je crois que c'est une preuve d'amour, mais c'est beaucoup de haine. Il faut qu'on justifie, qu'on explique de façon détaillée pourquoi on ne veut plus de vous. Si c'est un divorce, j'avoue que c'est un divorce un peu lourd. Ça peut être dû peut-être à des actions qui ont été commises de part et d'autre, hein, par cette partie-là. Ce qu'il faut encore lire, Albertine, c'est que nous sommes arrivés de 2025. Et le MRC sort d'une situation, ils étaient parlés aux élections la dernière fois en 2018. Mm-hmm. Et c'est très compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'ils viennent de faire une petite du Cameroun. On a vu la mobilisation à Mendon, on a vu la mobilisation à Consamba, à Bafoussam et à Douala. Je pense que le directoire a dû se dire qu'à ce moment-ci, ce ne serait pas l'heure d'une quelconque indiscipline à leur parti. Mm-hmm. Pas du tout. Ce qu'il faut aussi lire, c'est que depuis quand même un bon bout de temps, on voit quand même Michel Ndoki qui, je veux dire, prend ses distances avec ce directoire-là. Parce qu'il y a
deux attitudes qu'on peut adopter dans un parti, créer un courant, comme M. Ndjamé l'a dit, ou carrément tirer contre son camp pour avoir après la possibilité de créer son propre camp. Est-ce que c'est ce que Michel Ndoki a fait? Je me dis visiblement, tout était fait pour qu'on en arrive là. Moi, j'étais pas surpris de la décision. Je me demandais même que ça va arriver quand, en fait. Vous imaginez qu'elle savait que ça se terminerait comme ça? Oui, parce que je crois qu'elle a mis tout ce qu'il fallait pour que le MS en arrive là. Le MS va en 2025, en étant dans une situation où ils vont être encore un adversaire assez compliqué pour le LDPC. Si le MS avait été aux élections, ce que les 360 raisons qu'il y aurait de rester en cette partie, ça veut dire 360 communes, le LDPC va réfléchir. Il y a les sièges, il va falloir réfléchir. Et le MS arrive, et il faut à tout prix qu'il y ait des instruments, qu'il y ait une batterie qui soit mise en place pour le faire de l'intérieur. Il ne faut pas aussi jouer les naïfs à un moment donné. Parce que qu'est-ce qui s'est passé aussi avec Mme Ndoki à un moment donné? On a commencé à lui donner des intentions, à lui souligner des fréquentations. Pas bizarre. D'après ces camarades du directoire. Donc, j'étais pas surpris. Ce qui va se passer ces jours-ci, c'est certainement qu'elle va devenir la chouchou des médias. Vous avez déjà une interview exclusive avec elle. Vous allez la voir passer dans les plateaux où elle ne pouvait même passer avant. Parce que ça sert un peu les intérêts de ceux qui veulent mettre sa terre. Il ne faut pas qu'on s'amuse. Oui, en ce moment, la scène politique, c'est qui? C'est le DPC qui est en surnombre avec le PCN et ses quelques petits députés courageux qui essaie un peu de réveiller les papas qui dorment à l'Assemblée là-bas. Il y a qui d'autre? Donc il faut qu'il y ait, il faut pas qu'il y ait une autre personne qui vienne créer, brûler les cartes. On ne veut pas qu'il y ait les PCN et les univers qui arrachent les petits milieux, les postes de conseil. On ne veut pas ça. Le DPC avec les sénateurs là a montré qu'il ne veut rien partager cette année. Et je crois que tous les coups seront bons. Quitte à fabriquer des chevaux de Troie ou ce que vous voulez. Moi, je vois ça comme une affaire très compliquée et qui ne fait que commencer. On reviendra justement sur ce que vous évoquez, ce complot hein, qui serait ourdi par le parti au pouvoir. Hein, comme on reviendra non, tout à l'heure. Ou alors des personnes qui voudraient faire tomber le MRC. Mais avant, je voudrais avec vous, professeur, revenir sur cet autre aspect. On voit bien tout le monde, tous les observateurs, voit un lien direct entre la déclaration de la candidature de Michel Ndoki et son exclusion. Une fois de plus, on revient à la question de l'alternance. Est-ce que c'est une question finalement taboue aussi bien pour le parti au pouvoir que pour l'opposition? Est-ce que les partis d'opposition qui réclament encore à cri, par exemple, l'alternance au sommet de l'État, ont du mal eux-mêmes à appliquer cela au sein de la partie? Comment est-ce que vous appréciez la question? Est-ce que à vous, en tant que dirigeant hein, d'un parti politique, même si vous n'en êtes que le capitaine et qu'il y a un président, vous pensez que la question de l'alternance, même au sein de l'opposition, c'est une question qui n'est pas taboue? Un homme politique français sur qui les Africains avaient tiré à boulet rouge, tout simplement parce qu'il avait osé dire que l'Afrique n'est pas assez mûre pour la démocratie. Ça, c'est un étranger qui le disait. Mais moi, je suis Africain. Et j'ai envie de dire que nous, Africains, nous ne sommes pas encore mûrs pour cette démocratie-là. Parce que avant l'arrivée des Européens, nous avions aussi notre démocratie. Mais nous avons reçu une démocratie à l'occidental ou venant de ne sais de quel coin du monde. Ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est que nous avons reçu cette démocratie sans mode d'emploi. Et comme il y va des autres institutions que nous avons reçues, l'institution présidentielle, que certains n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi, qui pensent que c'est une chefferie traditionnelle. Le Sénat, qui vit ailleurs, nous l'avons reçu et nous pensons ici que c'est une maison de retraite. L'Assemblée nationale, que nous avons reçue d'ailleurs, et tous ceux qui y vont, pensent simplement que c'est un endroit pour aller recueillir quelques perdièmes, aller se faire soigner quand on est malade, avec des frais de mission. Tiens, il me souvient qu'il y a quelques jours, il y a un document qui circulait sur la toile où un parlementaire nous dit qu'il a faim. Il risque un AVC parce qu'il lui faut de l'argent pour soigner et lui-même et ses enfants. Je le dis tout simplement pour amener les uns et les autres à comprendre que par rapport à ces institutions-là, nous ne sommes pas encore mûrs. Qu'on tire donc aussi à boulet rouge sur l'Africain qui admet lui-même qu'il n'est pas encore mûr pour
cette démocratie venue d'ailleurs. Voyons-nous, peut-on penser démocratie, liberté, notamment liberté d'expression, lorsque au sein de nos familles, nous vivons encore cette dictature du chef de famille qui est très souvent le père, le mari? Pouvons-nous penser liberté, égalité et donc démocratie sur le plan beaucoup plus global lorsque nous vivons au Cameroun, que je prends un exemple en Afrique, alors qu'il n'y a pas de démocratie? Nous n'attendons pas qu'au niveau intermédiaire, avec des structures telles que les partis politiques, qu'on puisse avoir et l'égalité et la liberté d'expression et que sais-je encore. Nos partis politiques, depuis la nuit des temps, sont tenus de main de fer par des gourous. Le terme n'est pas péjoratif, c'est le guide dictateur, idéologue, contre qui on ne peut s'opposer. Sa parole doit être bu comme du bon petit vin. On ne discute pas. Et ce n'est pas seulement au MRC. Nous l'avons connu avec l'UNC de Ahidjo. Nous le connaissons aujourd'hui avec le RDPC de Paul Biya. Quelle égalité y a-t-on pour nous découvrir au RDPC? Lorsque, dans une association où on prétend que tous les adhérents sont égaux en droit et en devoir, la tenue du parti est à l'effigie d'un individu, d'un membre. Vous comprenez que ce n'est pas du tout un parti politique. Pour dire que, arrêtez, nous n'avons pas de parti politique au Cameroun. Ce que j'ai dit de Ahidjo et de l'UNC est vrai pour le RDPC et de Paul Biya, est vrai pour l'UNDP et pour Bello Bobangari. Est vrai pour l'univers aussi. Est vrai, non. Ah, peut-être que le cas de l'univers est l'exception qui vient confirmer ce que je dis. Tenons, en 2018, il y a bien le leader du parti univers, mais il n'a pas été candidat à l'élection présidentielle. C'est quelqu'un d'autre qui a été propulsé au devant de la scène, ce qui ne me semble pas le cas dans ces partis de gourous. On a des candidats naturels. Ça nous permet donc de tomber au MRC, où il y a évidemment, le monde n'est pas très fort, il y a évidemment un gourou là-bas, comme dans tous les autres partis. Souvenons-nous de la chanson qui a pignon sur rue dans ce milieu-là. Quand on dit « je vais », moi je vais, on ne discute pas. Même s'il vous amène dans la tombe, vous y allez. C'est ça, la dictature du gourou. Vous voyez bien qu'il vous enfonce. Voilà M. Ndjamène qui me regarde avec des grands yeux. Il voulait être député. Il voulait être minimalement conseiller municipal. Mais quand tu as dit, on n'y va pas. Vous connaissez la chanson? On n'y va pas. C'est ça l'attitude de gourou. Pour revenir à Maître Ndoki, elle est en faute. Demandez-moi pourquoi, je vous le dirai. Pourquoi? Elle n'a pas compris que nos partis politiques étaient des structures comme celle-là, gouvernées par des gourous. Il y a un maître, candidat à l'élection présidentielle, dirigeant du parti pour l'éternité. Pas de contradiction, pas de concurrence. Même s'il est mort, tant qu'on ne l'a pas enterré, il sera toujours candidat, il sera toujours leader du parti. Et même si on l'enterre, on nous fera croire qu'il n'est pas mort parce que le gourou ici est érigé au rang de Dieu. De Dieu immortel, qu'on ne voit même pas très souvent. Souvenons-nous, il va de Paul Biya comme il va de Kamto. Il y a un démissionnaire récemment qui nous a dit qu'étant conseiller, semble-t-il spécial, il n'a jamais rencontré, enfin, ou assez rarement, celui qu'il est appelé à conseiller. C'est la même chose avec Biya. On dit qu'il a des collaborateurs qui ne l'ont jamais vu. Il y en a qui entrent au gouvernement, qui sont au comité central. Ce qu'ils appellent comité central, qui n'ont jamais rencontré le tout-puissant gourou du parti, ça oui. Mais un. Je n'ai pas encore répondu à ma question. Allez-y, que je vous ai dit à répondre à votre question. Ndoki, Maître Ndoki n'a pas compris qu'elle vivait avec des hommes, des partis d'une certaine époque. De tous ces hommes qui animent en majorité la vie politique au Cameroun, qui sont nés
à l'époque de la dictature coloniale, qui ont vécu sous la dictature de Ahidjo et qui ne peuvent donc pas changer de schéma de pensée. Ils sont formatés comme ça. Ils n'admettent pas la contradiction. Et Ntoki est donc en faute de ne l'avoir pas compris. Elle est encore en faute en ce sens que... Pour finir. Lorsqu'on est dans une organisation, comme disait Djamène, où on se soumet, où on se démet. En entrant dans cette affaire-là, elle savait que de ce côté-là, il y a un gourou. Comme lorsqu'on entre au EDPC, on doit savoir que de ce côté-là, il y a un gourou. Est-ce que sur la question, l'opposition est monochlore? Est-ce que j'étais sur la tendance? Est-ce que sur la question, vous avez dit univers, c'est différent, c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre. Est-ce que sur la question, c'est la même coloration pour toute opposition aujourd'hui, d'avoir du mal à installer au sein même de l'opposition des questions de la démocratie, des questions d'alternance? Peut-être que, pour répondre à votre question, je dirais que pour ceux qui croient en Dieu et à l'évolution du monde, au changement qui peut arriver d'une manière ou d'une autre, espérons qu'un jour viendra où tout ce beau monde ne sera plus là. Et ça va forcément arriver, puisque nous sommes tous mortels. Très bien. Alors, on va aller chez Mme Dikou, mais on reviendra. C'est bien fataliste, votre conclusion, mais on reviendra. Mme Dikou, comment est-ce qu'on réagit au parti, au pouvoir, à cette actualité? L'opposition, de façon générale, s'illustre ces derniers temps par de vives dissensions. On parle là du MRC, mais il y avait très récemment, il y a également le SIF. Il y a plusieurs cadres de partis qui ont été remerciés. De votre côté, on boit du petit lait en regardant ses adversaires se déchirer entre eux. C'est la grande joie. Comment est-ce que vous réagissez du côté du parti au pouvoir? Non, mais je vais sortir par où vous ne m'attendez pas. Le RDPC est sur un autre chapitre. Je ne pense pas que ce soit son avantage que les gens se déchiquent ou se déchirent ça et là. Non. Ce qui se passe au MRC en ce moment est un problème purement du MRC. Et ce n'est d'ailleurs aucune surprise pour personne, parce que je ne vais pas parler pour le RDPC, mais pour l'observateur averti que je peux être. Comme disait Herman Lameuse, il n'est des révolutions qui n'aient leurs origines dans les siècles précédents. Le MRC déjà nous a servi ça. Vous savez, au lendemain, n'est-ce pas, la naissance de ce parti, le MRC avait fait une pêche grandiose. Et dans sa nasse, il y avait du tout en termes de compétences. Une jeunesse zélée, une jeunesse idéaliste, une jeunesse qui croyait en la politique. Et après 2019, lors des élections couplées sur un média concurrent, j'avais annoncé haut et fort que ça n'allait pas mettre long. MRC allait connaître, n'est-ce pas, soit un schisme, soit une saignée, n'est-ce pas, de ses compétences. Parce que vous voyez, quand on a plein de compétences, autant c'est un avantage, autant c'est un inconvénient. On peut pas prendre l'intelligentsia et mettre dans un bocal, vouloir garder à tout prix et n'ouvrir le bocal que pour les guéguerres de rue. Pour quelqu'un qui est réfléchi et qui se respecte, ça ne saurait mettre du temps, ça ne saurait durer. Et aujourd'hui, je crois que l'histoire finit par nous donner raison. Il y en a qui sont partis, les uns après les autres. Je ne voudrais pas faire un procès du MRC, non. Je voudrais simplement dire que c'est déplorable parfois de réaliser, ce n'est pas M. Nkoumvondo qui va me démentir, que dans l'opposition, il y a une réalité. C'est-à-dire que dans l'opposition, on ne cherche pas à influencer le pouvoir, mais plutôt à se l'approprier. Et c'est cette appropriation, justement, qui crée des dysfonctionnements où on n'a pas besoin d'un autre son de cloche. On dit des choses, il faut que cela se passe comme tel. Il vient quelque part de faire le procès du RDPC, mais je voulais lui rappeler en passant que lui et moi, on se connaît, lorsqu'il est adjoint au maire de Ngaoundéré 3e, où il a eu un courant de pensée qu'il a eu émettre à un moment donné, il a décidé de partir. On ne lui a jamais intenté un procès pour autant. Aujourd'hui, il est président d'un autre parti politique. Le RDPC ne s'est jamais mis à ses pouces pour lui faire palabre. Il est épanoui, il fait ce qu'il veut très bien faire, il va et vient. La preuve aujourd'hui n'est même pas là pour des raisons politiques. Il arrive là parce qu'il a une belle équipe de football qui connaît des envolées régionales et qui sont aujourd'hui en gros. Il va et vient, personne ne l'interpelle. Donc, c'est pour lui dire non, ancien camarade, même si nous sommes plus ensemble, reconnaître quand même ce qui a été positif dans le RDPC avant votre départ. Et je voudrais aujourd'hui beaucoup plus, pas concernant seulement RMRC, revenir sur le genre en politique au Cameroun. Nous avons comme l'impression que les hommes ont fini par croire que la politique au Cameroun était leur chasse gardée.
Et à chaque fois qu'une dame veut se sortir la tête de l'eau, non, tout de suite, il faut qu'elle redisparaisse au même rythme qu'elle est arrivée. Nous avons vu comment est-ce que la dame de l'UDC a eu à prendre des pots de banane. Personne ne lui trouve aucune compétence. On estime simplement qu'elle est là parce qu'elle fut l'épouse d'eux. Mais non, il est temps que nous changeons de schéma, que nous comprenions aujourd'hui que les femmes ont le même quotient intellectuel que les hommes, que parmi les femmes, il y a des éminences grises, parmi les femmes, il y en a qui veulent très bien, c'est-à-dire que se démarquer en politique, avoir leur mot à dire. Alors, il est inadmissible qu'aujourd'hui, je comprends qu'avant, Mme Ndoki, Maître Ndoki, des gens soient partis, mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ça fait un peu plus de bruit. On a comme l'impression que la femme, la dame a osé. Non, ce n'est pas une question d'oser. Il est temps qu'on essaie de se regarder souvent dans les yeux, comprendre que si nous avons été voisins dans les amphithéâtres, cela signifiait simplement que nous avions des choses à dire aussi et que les femmes avaient aussi à donner. Donc, il est temps quand même que les choses changent, qu'on essaie de nous regarder avec d'autres yeux, un regard étudié, qu'on comprenne que nous avons à donner, autant nous recevons et que nous pouvons également aussi avoir part à des pôles de décision, à des lieux très élevés. Alors, je vais rester avec vous, Madame Dikoumé. Ernesto Yenné, qui voudrait prendre la parole peut-être après, évoquer justement on va dire, éventualité, je ne sais pas si le mot est très bien choisi, mais certains cadres du MRC aujourd'hui soutiennent qu'il y aurait des complots, des stratégies mises en place, notamment par votre parti, c'est dit officiellement, hein, pour renverser le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et que la stratégie serait par exemple de piquer dans ce parti-là des grands cadres, leur apporter du soutien pour qu'après ils créent leur parti. Ce serait par exemple le cas de Saint-Germain, on reviendra à vous tout à l'heure. Comment est-ce que vous réagissez à ces accusations? Est-ce que ce n'est pas, s'il vous plaît, comment est-ce que vous réagissez à ces accusations? Parce que justement, vous prononcez M. Saint-Germain, je ne parle de lui parce qu'il est sur le plateau. Tous, il parlera de lui tout à l'heure. Tous donnaient à M. Saint-Germain de faire partie du RDPC à l'heure actuelle. Ça, c'était clair ainsi. Et puis, je voudrais vous dire, le RDPC, comme certains l'ont dépeint sur le plateau, c'est une mastodonte. Le MRC, c'est un parti démissionnaire. Il n'y a même pas de concurrence à faire avec le MRC dans la mesure où il n'a aucun représentant officiel. Le seul poste qui intéresse le MRC... Nous avons 2025 qui arrive, il pourrait avoir... le poste présidentiel, voilà. Donc c'est pour dire qu'en ce moment précis, franchement, ce n'est pas pour le RDPC une menace. Ce n'est pas une menace. À l'Assemblée nationale, nous avons notre plein d'œuf. Au Sénat, il y a le plein d'œuf. Nous avons des communes. Et nous sommes même à l'ère de la décentralisation aujourd'hui où je crois que beaucoup de maires du RDPC sont à pied d'œuvre, n'est-ce pas, dans le cadre du changement à l'état unitaire décentralisé. Bon, aller aujourd'hui fragiliser, c'est comme enfoncer une porte déjà ouverte. Moi, je ne pense pas. Je ne sais pas ce que le RDPC gagnerait, n'est-ce pas, en avoir après le MRC. Célestin Jamène, diviser pour mieux régner, s'aimer la zizanie au sein des autres partis pour rester le seul, ce ne sont pas des stratégies que l'on pourrait prêter aux grands partis aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas été, vous, contacté par le RDPC pour créer votre parti et lâcher le MRC au moment où vous avez étalé votre colère vis-à-vis de votre ancien parti? Si vous faisiez de la politique, vous devrez connaître un mot qui est très important en politique, c'est la propagande. Il y a des laboratoires qui fabriquent des fake news pour se mettre dans une posture de victime. Ils sont dans une logique de victimisation. D'abord pour faire parler d'eux, pour entretenir une focalisation sur eux. Je crois que le professeur Nkoumondo a parfaitement décrit ce qui se passe au sein du MRC. Nous avons une quasi-secte où il y a un gourou, un guide, qui est l'alpha et l'oméga du parti. Osez tout, sauf son fauteuil. Ne tentez pas de vous accaparer son fauteuil. La polémique, par exemple, sur les deux mandats. M. Kamto, dans tous les plateaux, a dit que le MRC, il s'est vanté en le disant d'ailleurs, que le MRC était le seul parti politique qui peut se permettre de dire qu'on n'exclut pas. Il a dit partout. Il a dit partout. Et qui serait là pour deux mandats. Ce sont ses propos et ses vérifiables. Oui, sur YouTube, partout. Maître Ndoki est venu, constatant qu'effectivement, les deux mandats étaient achevés en 2023, puisque 2012, 2018, 2023, on est deux mandats. C'est ce que le professeur Kamto avait dit concernant lui-même. Il s'est dédié, mais on est habitué, c'est le pape de l'incohérence. Maintenant, quand on me fait croire qu'il y a des officines du RDPC, je ne veux pas les absoudre, hein, des techniques un peu malsaines. C'est un parti politique qui veut conserver le pouvoir.
Mais là, en l'occurrence, on est très loin du sujet. Quand on croit que c'est l'RDPC qui incite les militants du MRC à dénoncer les pratiques internes de ce parti politique. Ils ont inscrit dans les projets de la Renaissance que le principe vital de la Renaissance, c'est les libertés fondamentales. Maître Ndoké exprime son opinion, qui est une liberté fondamentale. Elle crée un courant, 2021, le 6 juin, on ne l'exclut pas. Mais à partir du moment où elle a osé ce qu'il ne fallait pas oser, bang, le couperet tombe. Mais qui est dupe? On n'est pas les dindons de la farce. Par ailleurs, j'aimerais dire à Ernesto tout à l'heure qui parlait de fréquentation, voulez-vous que je vous cite ici les membres du directoire qui fréquentent les gens de l'état-major du RDPC? Vous voulez que je le dise? Alors, je ne le dirai pas par respect pour nos téléspectateurs, comprenez? Il y en a beaucoup. Il y en a même qui sont dans les universités placées par un certain ministre d'État. Je ne vais pas dire le nom, mais les spécialistes le sauront. Par ailleurs, ce n'est même pas une question de maturité démocratique. Non, il y a des assoiffés de pouvoir qui ne veulent pas de démocratie au sein de partis politiques. Il y a des gens qui sont là, connaissant très bien que la démocratie n'est pas occidentale, c'est le principe universel. Vous êtes aspirant à un poste, on me reproche d'avoir voulu être maire, mais M. Kamtou voulait être président de la République. Entre les deux ambitions, quelle est la plus importante? Être président, vous voulez étudier à tout prix, à tous les prix, ou être maire? Et de plus, être militant, c'est être ambitieux. On devrait m'applaudir d'être candidat. On n'a pas inventé les candidatures pour des chiens. S'il n'y avait pas de candidat à des postes, mais ça servira à quoi un parti politique? Un parti politique qui se crée pour ne pas aller à la compétition électorale. Et aujourd'hui, on entend que ce parti, ayant posé malheureusement deux conditions bidons factices, se dit prêt aujourd'hui de repartir aux élections. Où est la cohérence politique là-dedans? Il s'est passé beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de tout dévoiler. Très bien. Il s'est passé, je termine, c'est très important ce que je dis, parce qu'il y a une espèce de marche macabre des partis politiques à l'intérieur des partis politiques. Monsieur Paul Biya est presque un agneau à côté de ces gens-là. C'est presque un agneau. Son parrain politique, Paul Biya, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à lui reprocher? Parce que même au RDPC, il y a eu un certain René Zengele, à un certain moment, quelqu'un des candidats à la candidature. Il a même été validé. Aujourd'hui, au MRC, on est incapable d'accepter la candidature d'une première vice-présidente des femmes. C'est impensable. Et par ailleurs, ce n'est pas une question de genre, Madame Dikoumé. Parce que M. Alex Nguépi a été exclu, c'est un homme. M. Emmanuel Kouéka a été exclu, c'est un homme. Et bien d'autres encore qui ont été exclus et qu'on n'a pas cités. Très bien. Donc aujourd'hui, la question fondamentale, qu'est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aux pratiques du RDPC alors que nous-mêmes, nous le faisons à l'intérieur. C'est pour ça qu'APA a été créé. A été créé pour apporter la différence dans la manière de pratiquer la politique. On ne peut pas donner à droite et reprendre à gauche. La démocratie, c'est d'abord interne au parti politique. Mais être militant, c'est également accepter les règles de son parti. Si un militant n'accepte pas les règles de son parti, les sanctions, elles viennent, elles suivent. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que rappeler à un militant qu'il s'est écarté de la règle des normes d'un parti, c'est forcément être quelqu'un qui n'accepte pas l'alternance ou alors qui voilà, est-ce qu'on peut pas analyser ça comme ça? C'est un mauvais militant qui a mis à côté. Je peux peut-être être du côté de ceux qui pensent que l'exclusion est une décision excessive, qu'on aurait pu faire autre chose. Mais je l'ai dit encore, le contexte est grave. Et forcément, les décisions devront être graves. On peut être dans un parti, ne pas être content, d'accord, et partir tout simplement. Mais pas en essayant de créer une espèce d'animosité au sein du parti. Le SDF a connu plus lourd que ça. Quand les Mouna sont sortis, allaient faire l'AFP. Quand les Kouimo sont sortis, allaient créer l'UMS. Quand les Kawala sont sortis, allaient créer le CPP. C'était pas avec trop de fracas dans l'intérieur. Parce qu'on sait qu'Albertine, depuis l'époque de Oum Niobe, il y a des instruments qu'on mobilise pour fragiliser l'adversaire. On le sait. Il y a la diabolisation du leader. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait avec Oum Niobe. Il y a la fragilisation des cadres. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait avec l'UPC? Il y a même la duplication du parti en disant des instruments judico-administratifs. On a vu un ministre dans ce pays décider que tel va être le secrétaire d'un parti. Pour dire que Michel Dorc est devenu un danger pour le MRC. Bien sûr, il ne faut pas... On le découvre bien sûr. Quand vous voyez, pourquoi est-ce qu'on le découvre? Quand on voit tuer son dehors directoire, c'est ce qu'ils ont conclu. C'est ce qu'ils ont conclu. Ils ne voulaient pas se trouver dans une situation où, avec l'UPC, on a dû créer une UPC alimentaire pour faire ombrage à la vraie UPC. Il y a des situations comme ça. L'UPC en a bavé. L'USF en a bavé.
Donc, à un moment donné, lorsqu'on arrive à une situation qui sera grave, ça veut dire 2025, il y a des partis qui ne voudront pas s'encombrer de ce type de choses parce qu'ils savent, on voit comment ça vient, on voit la personne venir, on voit les choses venir, on préfère couper tout de suite. Je l'ai dit ici, le petit tour que le MSA a fait, de même donner une idée de où il va aller, de comment ça va être chaud, mm-hmm. comment ça va taper dur. Deux secondes. Pourquoi ne pas laisser Maître Michel Ndoki être candidat jusqu'au bout? Et effectivement, parce que Kamto est quasiment sûr de lui par rapport à cette convention qui arrive en novembre 2023. Pourquoi ne pas la laisser être candidat jusqu'au bout et voir, entre guillemets, ses limites auraient grandi et le président du parti et le parti. Pourquoi est-ce qu'il fallait laisser Michel Ndoki laver le linge sale en public à chaque fois? Non, pourquoi est-ce qu'on doit attendre le congrès pour sa candidature? Je suis dans votre réponse. Je suis dans votre réponse et je vous dis pourquoi qu'ils font que le directoire s'est dit à un moment donné, on ne veut pas avoir un cadenas à chaussures, on peut avoir des courants internes. Ça arrive au moment où on peut avoir des courants internes. Je vous dis, à la petite, 2020 sera compliqué. Très bien. Pendant qu'on est en train de faire, de créer une opposition de l'opposition, nous ne sommes pas naïfs, on est en train de créer une opposition de l'opposition. Je pense que ça va être ça. Très bien. Vous allez voir ces temps-ci. On va passer le temps pour le procès de Kamto, du MSC, qui est un petit parti. On va faire son procès en longueur de journée, pendant qu'il y a les franquistes qui nous disent ah, bonjour là-bas. Il y a le DPC qui est assis confortablement sur son siège et qui trouvera encore des moyens plus compliqués, plus complexes, pour ne même pas vous céder. Une commune, c'est 360 communes, les sièges qui distribuent parfois les amis, ce sera terminé. Très bien. Donc l'opposition ne doit pas accepter ce procès d'opposition-là. Parce qu'on a le pays entre les mains de quelqu'un qui l'a depuis plus de 40 ans. Sauf si on est content de la situation du pays. Vous voulez réagir? Oui, je voulais juste te faire observer qu'effectivement, bon, je ne veux pas me limiter au cas du MRC. Bien sûr. Mais je vais faire observer que je suis entièrement d'accord avec l'analyse faite tout à l'heure par le professeur Prosper Nkumvondo. Parce qu'en réalité, lorsque nous décryptons, lorsque nous faisons l'exégèse de ce qui se passe dans la classe politique africaine en général et la classe politique camerounaise en particulier, on serait effectivement tenté de penser que la démocratie n'est pas faite pour nous. Parce que tout à l'heure, on cherche à diaboliser, à culpabiliser, à imputer une certaine responsabilité au parti au pouvoir. Mais je dis, nous-mêmes dans l'opposition, nous ne sommes pas sains. Nous ne sommes pas sains parce que lorsque nous observons, nous constatons que la majorité des partis politiques de l'opposition au Cameroun ont des sérieux problèmes pour être des grands partis. Parce que pour que vous soyez un grand parti, il y a des exigences. La première exigence pour un parti politique, c'est le contenu idéologique du parti. Quelle est votre idéologie? Première chose. Deuxième chose, qui est votre leader? Quelle est la personnalité de ce leader? Est-ce que ce leader, votre leader, est prédisposé à être dans une posture démocratique? Voilà. Conférence. Démocratique, tout simplement. Parce que si lui-même le leader n'est pas démocratique, il n'est pas un démocrate. Il va de soi qu'il ne peut pas contribuer, j'allais dire, à l'amélioration de la démocratie dans le pays. Troisième chose, la majorité de nos partis politiques ont un problème de structuration, d'organisation structurelle, qui leur permet d'avoir ce qu'on appelle l'appareil politique. Parce que lorsque vous avez un appareil politique fort, les choses se passent dans les règles de l'art et tout le monde est dans une posture d'alternance au sein même du parti. Mais lorsqu'il n'y a pas d'appareil, où en réalité tout se résume autour du leader, de la personne du leader, dès qu'un militant lève le doigt pour s'inscrire dans une logique qui n'arrange pas les leaders, on lui coupe la tête. Non. C'est ce qui se passe dans tous les partis politiques au Cameroun. On a vu ce qui s'est passé au SDF, on a vu ce qui se passe chez nous, à l'UPC. Ça ne faut pas dire que nous pensons que nous sommes des saints. Donc le parti qu'on appelle le RDPC, qui est le parti au pouvoir, a sa part de responsabilité, mais je pense que nous-mêmes, l'opposition, nous avons notre part de responsabilité. Maintenant, il y a un autre pilier, Albertine, qui est très important. Lorsque vous avez un parti politique, il faut maintenant des hommes qui animent le parti politique, des hommes qui animent les structures du parti. Il faut que ce soit des hommes de qualité, des hommes qui travaillent pour la démocratie et les hommes qui ont le courage de dire aux leaders que ici, vous n'avez pas raison. Or, tel n'est pas le cas dans nos partis politiques. Et le cinquième pilier qu'il faut respecter pour que vous soyez un grand parti, c'est votre niveau d'adhésion populaire. Est-ce que le peuple est d'accord avec ce que vous faites? Est-ce que le peuple est prédisposé à vous suivre dans votre façon de faire la politique? Si vous travaillez dans le parti et vous n'interrogez pas les populations pour voir ce que la population pense de vous, ça ne peut pas marcher. Or, dans nos partis politiques, on note une rupture entre la base militante qui est constituée de la majorité des militants
et le sommet du parti qui, généralement, en réalité, considère le parti comme un fonds de commerce pour eux-mêmes. C'est ça le vrai problème. Donc aujourd'hui, on va beau faire le procès du RDPC, on va beau faire le procès du MRC, mais moi, je vais vous dire que ce qui se passe dans ces partis-là, c'est la même chose qui se passe partout aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons de la peine parce que nous autres, nous sommes un peu étouffés dans ce sens que lorsque nous nous sommes engagés en politique, c'était pour construire une position capable de constituer une force politique alternative pour le pouvoir, pour le parti qui est au pouvoir. Mais là, nous nous rendons compte que plus de temps passe. Chaque fois que nous tendons vers une élection, vous allez vous rendre compte que l'opposition ne fait que s'auto-flageller. Voilà. Nous sommes dans une situation d'auto-flagellation qui fait que l'opposition camerounaise a de la peine à être une force alternative pour le parti au pouvoir. Et sur ce point, je suis d'accord avec Mme Dikoumé qui pense que en réalité, eux qui sont là, ils sont au pouvoir, ils gèrent toutes les institutions de la République, voilà. Ils ont la présidente de la République, ils ont la primature, ils ont l'Assemblée nationale, ils ont le Sénat, et ils ont les mairies. Et ils se disent qu'en réalité, en face, il n'y a rien. Effectivement, il n'y a rien parce que l'opposition ne fait rien pour être un danger pour les RDPC. Donc, ça ne sert à rien. Et si cette opposition, vous avez terminé, et si cette opposition était réellement manipulée, est-ce que ce n'est pas également une piste de réflexion? Comment comprendre? Vous l'avez dit vous-même que chaque fois que l'on approche de grandes échéances, et que c'est véritablement à ce moment-là que l'on constate que, curieusement, l'opposition se met à s'autoflageller comme s'il y avait quelque chose qui se passait. Est-ce que ce sont des appétits individuels? Chacun veut avoir sa part? Est-ce que, véritablement, il n'y a pas des forces qui travaillent à ce que cela se Albertine, passe Albertine, comme c'est ça. Pas là que je vais chuter. Je pense que j'ai été très clair là-dessus dans mon développement. Mmh. Pour dire que, effectivement, l'un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans l'opposition, c'est que parfois on a des leaders qui ne travaillent pas pour le parti, qui ne travaillent pas pour une alternance politique. Ils travaillent pour eux-mêmes. Ils considèrent ou bien gèrent le parti comme un fonds de commerce, c'est-à-dire un instrument de positionnement pour eux-mêmes. C'est ça le vrai problème. Donc, sur le sujet, est-ce que, comment comprendre que c'est justement lorsqu'on approche des grandes échéances que ce type de scénario se produit, des personnes qui partent, des grands cadres qui décident peut-être de créer leur parti, ah bon, et de tout ça. Ça part sur partition. Oui, mais je vous ai dit. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Dit qu'il ne faudrait pas être naïf. Hein. Justement, vous avez la parole. Mais, je suis modérateur. Mais finalement, ceux qui sont appelés à nous écouter ont perdu la question. Peut-être que je dois répondre à votre question. Oui, pour répondre à la mienne, je parlais de cette opposition qui, à la veille des échéances électorales, des grands rendez-vous, commence à s'auto-mutiler, curieusement. Madame, vous parlez de quelle opposition? Je sais pas. De celle qui est oui, mais j'ai envie de vous dire que dans un contexte où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de liberté, on ne saurait parler de parti politique. Le RDPC n'est pas un parti politique, mais je peux vous le dire. Le pouvoir au Cameroun est entre les mains d'un système bureaucratico-sécuritaire mis en place depuis l'époque allemande. Vous pensez que c'est le RDPC? Le RDPC, c'est le fan club de ce système bureaucratico-sécuritaire. Ça n'existe donc pas comme parti au sens réel, au sens exact du terme. Parce que je vous ai dit, nous avons reçu des institutions, entre autres dont les partis politiques, en tant qu'institutions, sans mode d'emploi. On ne sait même pas de quoi il s'agit. S'il n'y a pas de parti au pouvoir, parce que c'est un système bureaucratico-sécuritaire violent, cruel même à la limite, très dur, versant le sang quand il en faut, il n'y a pas de parti de ce côté-là. L'opposition, ce que vous appelez opposition, ce ne sont pas des partis politiques, même l'univers. Parce que lorsqu'on parle d'un parti politique, il faut que ce parti ait déjà une... Mais vous m'interdisez de faire des analyses. Lorsque je suis, je vous en prie, lorsque je suis malade. L'autoflagellation. Non, ce n'est pas une question d'autoflagellation. Quand je suis malade, je dois reconnaître que je suis malade. Et je dois reconnaître que l'univers, comme tous les 300, combien 33 partis politiques inscrits dans les fichiers du ministère de l'administration territoriale, ce sont des fictions. Faites le tour de la ville et montrez-moi les sièges des partis politiques. Il n'y a pas un siège. C'est un exemple.
Peut-être qu'il y en a trois comme ça. Chacun pourrait faire pareil. Il y en a le plus riche du Cameroun. Il y en a trois. Mais le parti dont je préside la destinée a un siège. S'il vous plaît, vous laissez oui, mais vous me laissez parler. C'est pas le procès d'appart. C'est pas le procès d'appart. Non. Mais j'ai envie de vous dire que si on ne peut pas identifier les partis politiques des vrais, on ne peut donc pas identifier une véritable opposition. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas rêver, il ne faut pas tromper les Camerounais. L'opposition n'existe pas. Ceux qui pensent que l'alternance au Cameroun passera par un parti d'opposition, qu'il se détrompe. On ne peut pas battre, je ne dis pas un parti politique, mais un système bureaucratico-sécurité violent, versant du sang quand il en faut, à travers les élections. Détrompez-vous. Peut-être que l'alternance peut être sérieux avec le Cameroun. Vous pensez qu'à part pour gagner une élection au Cameroun, peut-être quelques deux ou trois conseillers ou une mairie. C'est pas mauvais. Mais je pense que une mairie, c'est pas mauvais. C'est ça le problème. On va laisser le professeur aller jusqu'à la fin de son propos. Vous m'amenez à perdre le fil de ma parole. Allez-y. Et j'ai écouté chacun développer religieusement. Et j'ai attendu mon temps de parole pour m'exprimer. Si je dis ce qu'il faut, vous donner tout le temps de m'apporter contradiction. Parce que je ne parle pas pour vous sur le plateau. Je parle pour ceux qui nous regardent. Et les Camerounais qui nous regardent sont là pour nous écouter. Et nous avons un devoir de vérité. Qu'on ne vous trompe pas que le MEC peut arriver au pouvoir en 2025. Détrompez-vous. Et ne cessons de tromper le peuple. Qu'on ne pense pas que, jamais, quand vous-même vous le regardez, il ressemble à un futur président en 2025. Mais parce qu'il n'en a pas les moyens. Il n'en a ni les moyens démographiques, ni les moyens matériels, ni les moyens populaires. Qu'est-ce que vous en savez? Ce n'est pas sur un plateau de télévision. Il n'y a pas de date pour la prise de pouvoir. Moi, je vous ai dit, n'est-ce pas? Le pouvoir, ça se construit. En 2016... Le parti, ça se construit. Je peux continuer? Allez-y. En 2016, pour ne pas tromper les Camerounais, je leur ai dit, lors d'une émission à Canal 2, la chaîne dans laquelle nous sommes, que moi, quand je me mire le matin en me rasant, je n'ai jamais vu en face de moi le futur président du Cameroun. Mais ça, c'est vous, monsieur. Mais ça, c'est vous, professeur. Et je vous regrette. Non, piquez pas votre cas personnel. À l'ensemble des présidents de partis politiques. À l'ensemble des partis politiques. Mais pourquoi vous faites la politique, finalement? C'est sur ça que vous voulez intervenir. Je vous pose une question. On ne peut pas s'engager en politique. C'est quoi on fait de l'engager en politique? Mais entendez bien. Et dit que c'est impossible. Seul Dieu connaît les limites de l'impossible. Les dictatures européennes les plus sanglantes. Ok. On finit par rien n'est possible. Attendons-nous là-dessus. Quand on milite en politique, tout est possible. Tout est possible. Votre discours dissuade et décourage ceux qui veulent entrer en politique. Vous tenez pas un discours défaitiste. Permettez-moi de vous dire. Oui, il ne faut pas dire ça. Parce que les enfants nous regardent aussi. Laissez les uns et les autres la juger. Mais je ne suis pas là pour me faire apprécier. Vous influencez, vous influencez les gens. Par votre statut, vous influencez. S'il vous plaît, monsieur Jamel. Mon Dieu, vous dites bien que rien n'est impossible. Donc, qu'on le veuille ou non, dans ce pays, il y aura alternance. Bien sûr. Que vous le vouliez ou non. J'aime ce discours-là. Mais ce ne sera pas avec Jamel, nous allons sérieux. Monsieur, pourquoi vous dites que ça ne sera pas avec Jamel? Nous ne connaissons. Je prétends rien du tout. Sur le chemin. Simplement, mon Dieu. Non, mais attendez, vous avez la parole. C'est un Jamel, vous laissez le seul. Je vous en prie. Allez-y. Je crois que chacun est invité ici pour lui-même. Oui, allez-y. Chacun est invité ici pour parler pour lui-même. Allez-y. Et pour les téléspectateurs. Exact. Mais chaque fois que je veux parler, si je dis ce qui n'est pas exact, ce qui n'est pas accepté par ceux qui sont sur le plateau, qu'ils attendent leur temps de parole pour m'apporter contradiction. Je vous dis, j'ai envie de dire que rien n'est impossible et l'alternance aura, qu'on le veuille ou non, fatalement pour ceux qui croient que ça n'aura pas lieu. Et pour notre grand bonheur, ça va arriver. Mais qu'on ne pense pas que certains amuseurs publics qui parcourent les plateaux de télévision en faisant croire aux uns et aux autres qu'ils sont des hommes-providence, ils n'en ont ni la carrure, ni les capacités pour assurer une alternance à travers le chemin pour lequel nous débattons, c'est-à-dire les urnes. Je vous dis, c'est très compliqué. Très bien. Nous avons en face une dictature cruelle qui est en face depuis l'époque allemande. Peut-être que un jour, parce que c'est aussi un moyen d'accession au pouvoir, un événement se produit et bam, il y a alternance. Ça peut arriver. Vous excusez ça. Très bien. Oui, c'est pour ça que je dis que tout est possible. Mais en attendant, il y a la rotation des choses du monde qui pourrait arriver. Mais c'est, tout à l'heure, pour finir, la question a été posée. Pourquoi on fait donc la politique? C'est ça que je fais là sur le plateau.
pour dire aux gens la vérité, pour dire aux gens, préparez-vous, c'est très dur. Il faut débattre. Ce n'est pas seulement à celui-là de faire la politique. C'est aussi émettre des pensées. C'est discuter. C'est ça aussi faire la politique. Et au-delà de ça, il s'agit aussi d'être candidat. À un niveau, on peut être candidat avec l'espoir de gagner. Aller au quartier, dire aux gens que vraiment, je suis à part, je suis MRC, je suis PCRN, je vais. C'est de tromper le peuple. C'est plus compliqué que ça. Tout le monde a vu votre combativité. Vous êtes un homme engagé. Vous avez rompu avec votre ancien parti pour vous engager dans l'opposition. On vous fait crédit de cela. De quelle opposition? J'ai quitté le RDPC pour faire de la politique et à ma manière. Mais justement, ne vous contredites pas. Vous avez quitté. Vous avez quitté le RDPC pour faire de la politique juste. Vrai ou faux? Parce que vous y croyez. Merci de me le reconnaître. Vous y croyez encore. Votre discours est antinomique de ce que vous venez en train de dire. Parce qu'il y a des gens qui voudraient aspirer aussi. Vous pensez que... entrer en politique. Le candidat. Vous avez fait une description. Vous avez fait une description claire du RDPC qui veut conserver à tout prix le pouvoir. C'est tout à fait... Pas le RDPC, le système bureaucratique. Le système bureaucratique. Mais en plein, vous voulez conserver le pouvoir. S'il vous plaît, on va s'écouter un peu. Maître Kaka, vous voulez dire un mot également? Je voulais juste attirer l'attention du professeur Nkoumvondo, qu'il est juriste, parce que c'est un monsieur qui a plusieurs casquettes. Exactement. C'est un dirigeant sportif, c'est un acteur politique, et c'est un enseignant de droit. Il est juriste. Je pense que chez nous, les juristes, il y a ce qu'on appelle le fond, il y a ce qu'on appelle la forme. Je serais tenté de lui faire observer que je suis d'accord avec lui, peut-être sur le fond. Mais sur la forme, je mets des réserves. Parce que je ne parviens pas à comprendre comment il peut stigmatiser un acteur politique. Ce n'est pas bon. Nous ne sommes pas là. Non, ça c'est autant de c'est des choses qui nous fragilisent dans l'opposition. Parce que si, effectivement, l'opposition avait un objectif d'impulser une véritable dynamique alternative, cette opposition-là devait parler le même langage. On ne peut pas venir sur un plateau de télévision commencer à dénigrer son... Non, mais oui. C'est pas le dénigrement, c'est la vérité. Non, c'est savoir jusqu'où apprécier son sac. Mais ça veut dire que j'invite les uns et les autres... Vous m'avez reproché la parole. Vous m'avez interrompu. Vous m'avez reproché. Je ne vous ai jamais interrompu. Ok, je m'excuse. Ce que vous avez appris, que vous apprenez tous les jours aux étudiants dans les instituteurs, c'est l'art de l'écoute. Il faut écouter parce que si un étudiant n'écoute pas, il ne peut pas bien assimiler le cours. Ce que je voulais faire observer, c'est que, sincèrement, ce discours que vous tenez à un acteur politique combattant, parce que ce monsieur qu'on appelle Célestin Diamène, moi je l'ai connu depuis la France, c'est un acteur politique de premier plan. Il a abandonné ses activités professionnelles en France pour venir faire la politique au Cameroun pour contribuer à l'amélioration du bien-être des Camerounais. Il l'a fait. Ça veut dire que ses ambitions présidentielles sont légitimes. Maintenant, laissons les populations, laissons le peuple camerounais apprécier. Je trouve quand même un peu maladroit, je dirais même excessif, de votre part de venir le stigmatiser et le dénigrer même à la limite en disant qu'il n'a pas la posture d'un président. Ce n'est pas sérieux. Dans tous les cas... Peut-être que le président veut parler du contexte qui ne permettrait pas... C'est le fond. C'est pour ça que je parle du fond. Mais la forme n'est pas gaie, la forme n'est pas élégante, c'est pas digne de la politique. Madame Dicou, on va prendre la parole tout à l'heure, mais d'abord, vous voulez vous aussi réagir, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui voulaient réagir à propos de... Oui, il faudrait vraiment que le professeur fasse une clarification sur la forme et le fond de son discours. Parce que moi, quand je regarde le maire de Yaoundé 4, et je me regarde, quand je me rase le matin, je peux être à sa place. Quand je regarde le député de Mfundi, je le regarde, je me regarde au miroir, je peux être à sa place. Si être président, c'est aller à Genève, dormir et laisser les gens signer les trucs, moi aussi je peux être président. Si ce n'est que ça, je peux être président. On a vu des régimes s'effriter et avoir des magouillards comme président, qui ont même amené le pays à la situation mieux que des doctorats ou de je ne sais quoi. Là, il ne faut pas simplement qu'on tue l'envie des Camerounais d'avoir soif de quelque chose change. L'envie là, elle est là. Que vous montiez ou vous descendiez, il y a une envie de voir les choses se faire différemment. Nous sommes en 2025 déjà, Albertine. Les Camerounais vivent le mal chaque jour. Même s'il faut quelqu'un d'autre, ils sont prêts à tout. Les Camerounais voient quelque chose d'autre et quelqu'un d'autre faire des choses.
Parce que vous pensez que si on se réveille à Yaoundé le matin, il n'y a pas d'électricité, on veut sortir des Mambo, il n'y a pas de route. Non, personne ne va s'accommoder de ça. Dit qu'il y a une certaine carrure qu'il faudrait avoir pour être là et simplement faire les choses justes. Je crois que c'est un peu piqué, c'est un peu piquant pour les Camerounais. Parce que moi, quand je me lève le matin, je peux être à la place de tous ces gens-là. Je me dis ça. Madame, mais on a beaucoup parlé aussi de la responsabilité du parti au pouvoir dans tout ce que l'on voit. Cette opposition qui ne peut pas s'affirmer, cette opposition qui a du mal même à s'unir au sein de ces nombreuses subdivisions. Tout a été, les dés sont pipés depuis le début. Il n'y a pas de démocratie, c'est presque une dictature. Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez une responsabilité? Est-ce que vous ne vous sentez pas responsable? Avoir un État démocratique, c'est également avoir une opposition de qualité. En tant que parti au pouvoir, lorsque vous voyez ce que représente l'opposition aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier vous-même de ce que vous voyez, un pays qui n'a une opposition qui peine à être debout? Madame Bijaga, vous savez, vous êtes une brillante journaliste depuis Vision 4. Merci. Vous voilà Canal 2 aujourd'hui. Et le débat républicain est une réalité. Tous les dimanches, quand vous n'êtes pas là, vous faites autre chose. Vous voyez quand même vos collègues animés. Donc, depuis Vision 4, vous avez toujours des panélistes de premier choix et de premier ordre, n'est-ce pas, sur vos plateaux. Vous avez dû voir ce qui sort des tripes des uns et des autres. Et ça ne se limite pas que sur les plateaux. Depuis l'ouverture de 90, l'évolution politique au Cameroun a été une courbe plutôt montante. Et nous réalisons qu'on a eu des groupes parlementaires d'opposition sur la place. Nous avons plusieurs partis politiques d'opposition qui occupent également des places dans les hémicycles. Nous avons réalisé qu'il y a des mairies où nous trouvons des députés de l'opposition. Nous réalisons qu'aujourd'hui, au-delà de ce que nous voyons sur des plateaux, il y en a qui se battent. Je vois par exemple le parti de M. Ndjamena, à chaque fois qu'il y a une petite crise quelque part, courir au chevet, n'est-ce pas, des sinistrés. Ça veut dire qu'il a la liberté de le faire. Je vois par exemple, je reviens encore sur le professeur, qui est là aujourd'hui, pas pour des raisons politiques, mais parce qu'il encadre une belle équipe. Pour le faire, il faut des moyens. Bon, je ne sais pas quels moyens on veut invoquer, convoquer, pour pouvoir être réellement un président de parti d'opposition. Nous réalisons même que dans l'ossature gouvernementale, nous avons des ministres qui ne sont pas issus de l'opposition, mais qui sont bel et bien des ministres qui sont les ministres de l'opposition. Il n'y a pas que les militants du RDPC pour être ministres. Ça veut dire que chacun où il se trouve peut tenir l'appareil gouvernemental à sa manière et faire ce qu'il semble bon par rapport à son parti. Quand on les nomme, on le sait. Dire aujourd'hui que tout est verrouillé, tout est cadenassé, non, écoutez, l'administration camerounaise n'est pas faite que des militants du RDPC. Nous trouvons des Camerounais de partout. On se fie au profil de carrière des uns des autres, au profil académique des uns des autres, pour leur donner des places. Alors, dire aujourd'hui que tout est verrouillé, tout est, je dis non. C'est un discours assez excessif. Et je crois que le professeur est là dans son rôle d'opposant. Vous savez, quand vous êtes dans une salle de classe et que les résultats ne sont pas toujours reluisants, on rejette la faute au premier de la classe quand ce n'est pas à l'enseignant. Je crois que c'est un peu à ce jeu que le grand professeur est en train de jouer aujourd'hui. Il veut faire comprendre que ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est le RDPC, ça veut dire. Je voudrais même vous rappeler que ce fut un brillant sujet à la commune de Ngaoundéré 3e. Il était adjoint au maire, rempli et replet. Il a délibérément émis d'autres pensées. Il a eu la liberté de les émettre, la liberté de choisir. Ça a même été pour lui l'étrier sur lequel il s'est tenu, n'est-ce pas, pour prendre de l'envol, pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a eu la liberté, il y avait la démocratie dans le parti qu'il quittait, il était libre d'aller ailleurs. Donc je crois que le professeur est en train de tenir un discours contraire. Et il dit une chose aux Camerounais aujourd'hui, c'est à savoir que ce n'est pas le système qui soit verrouillé, mais c'est l'incapacité de certains à pouvoir accrocher leur sac à un certain niveau. Parce qu'en fait, c'est ce que moi je retiens de son discours. Il y en a sur le plateau qui ont estimé que non, ils ont essayé de défaire cet argumentaire, mais je crois que quelque part, il y a du vrai dans ce qu'il dit à savoir. Donc je demande aux uns et aux autres de mieux ajouter leur sac maintenant et de savoir où accrocher, parce que rien ne les y empêche. Donc, ce que je vais dire, n'est-ce pas, c'est que le temps d'une émission comme celle-ci ne permet pas de pouvoir expliquer, apporter des arguments par rapport à ce que je dis. C'est pour ça qu'on prend ça au premier degré. Ce que je veux faire comprendre à mon ami, ce que c'est cadenassé, madame, c'est cadenassé. Il faut d'abord décadenasser. Décadenassé, c'est verrouillé même pas par le RDPC, mais par ce système que je décris qui est en place depuis un peu. Alors, je suis en train de dire que
L'activité que nous devons mener, c'est d'abord de décadenasser. À ce moment-là, nous pourrons nous déployer. C'est-à-dire d'abord construire une véritable démocratie, revoir les institutions que j'ai décrites tout à l'heure comme des institutions reçues sans mode d'emploi. C'est à ce moment-là que nous pourrons nous déployer, avoir des chances. Vous, tout à l'heure, mon voisin dit, quand il se mire le matin, il se voit maire. Il peut être maire, il peut être président. Mais vous ne l'êtes pas. Parce que ça, c'est théorique. Essayez simplement de chercher à constituer un dossier pour le conseil municipal. Ceux qui en ont fait l'espérance vont vous dire que c'est un exploit. Lorsqu'on est un parti de pollution, réussir à déposer dans une commune un dossier de candidature de 25 personnes, c'est un exploit. Ne parlons pas des choses en théorie. Quand je parle en nombre d'expérience. Parce qu'il faut que je vous le dise, je suis l'un des plus vieux conseillers municipaux au Cameroun. Sans discontinuité, je le suis depuis 2002. Et je sais donc de quoi je parle, parce que je suis, de ce point de vue, un acteur majeur, non seulement en théorie, mais aussi dans les réalités pratiques. C'est pour ça que je dis à mon ami Diamène que c'est des illusions, il ne faut pas rêver. Très bien. On va continuer à rêver tant qu'on n'aura pas décadenassé. Décadenation d'abord, avant que le jeu politique soit ouvert. Qu'on permette aux partis politiques de faire des marches. Qu'on permette aux partis politiques d'avoir des sièges. Vous savez qu'il y a un siège du MRC. Quand vous passez de ce côté-là, vous traversez le côté, parce que si on vous voit seulement en train de rôder de ce côté-là, c'est déjà tout un problème. C'est une réalité que nous vivons qu'il faut prendre en considération, M. Ndjamena. Il ne faut pas rêver. Merci. S'il vous plaît, je vais vous donner 2 secondes, mais s'il vous plaît, je vais essayer encore d'avoir le contrôle de ce débat, s'il vous plaît. On revient sur le prétexte de ce sujet, bien sûr, le cas Michel Ndoki. Son avenir politique, comment est-ce que vous voyez un nouveau parti, puisqu'elle ne pourra pas être candidate pour challenger son ancien président, c'est un tout autre ex-camarade, vous avez causé avec elle peut-être, et peut-être on aura également les réponses ce soir, je rappelle qu'il y a une interview exclusive ce soir, mais vous la voyez comment est-ce que vous voyez, c'est une brillante femme politique, comme il y en a très peu désormais au Cameroun, comment est-ce que vous voyez son avenir politique désormais? Michel est très très brillante, je crois que tous les Camerounais le savent, c'est une femme de conviction. Vous savez ce que veut dire Ndoki en douala ? Têtu. Mais je la considère comme une femme positivement têtue. Elle est entêtée quand elle a une ambition. Il faut, tout à l'heure, Mme Dikoumé parlait du genre en politique, il faut davantage de femmes en politique, des femmes, comment dirais-je, exigeantes, des femmes opiniâtres. Et Michel en est une. Le débat de fond, ce n'est pas la liberté de mettre Ndoki de choisir son avenir politique ou pas. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ce soir sur Canal 2, on verra bien ce qu'il va déclarer dans son interview sur Canal 2. Ce que je veux dire, c'est que le discours politique, professeur Kumbono, il est soit mobilisateur, soit démobilisateur. La première phase de votre discours était très démobilisateur. Vous êtes rattrapé tout à l'heure. Parce que quel que soit un système, monsieur, il n'a jamais tombé en Gambie. Monsieur Moussa Traoré est tombé, très verrouillé au Mali aussi, il est tombé. Et puis je peux citer plein d'autres pays. Ils sont tous tombés. Quel que soit le système de verrouillage d'un parti politique, d'un État, ils arrivent toujours à lâcher du lait. Parce que derrière, il y a le temps du peuple, il y a aussi une autre opposition, comme ma part, qui arrive. Madame Dikoumé, le verrouillage du DPC est une réalité. C'est peut-être pas légal, mais c'est légitime. Ils veulent garder le pouvoir. Comprenez, nous, derrière, on ne doit pas dissuader en disant qu'il n'y a plus rien à faire. Et si on devait venir faire notre one man show, on n'a rien à faire en politique. Si on crée un parti politique, c'est quand même pour que les choses demain puissent changer. La démocratie, Albertine, n'est pas un fruit mûr qu'on cueille. C'est sur des gènes, c'est une chaîne de générations. Le jour viendra où le Cameroun sera mieux qu'aujourd'hui. Mais pour y arriver, il faut se battre naturellement. On ne peut pas rester à dissuader nos jeunes qui regardent l'émission aujourd'hui pour dire que tout est verrouillé, rien à faire, il n'y a que le coup d'état militaire qui peut changer les choses. Non, les partis d'opposition existent. Mais il y a tellement d'enfoirés dans nos partis d'opposition, des mendiants, qu'aujourd'hui, on a du mal à dire qu'avec ces gens-là, on va arriver à une alternance un jour et ni encore à une alternative. Maintenant, les porteurs de projets qui sont la tête des partis politiques peuvent être changés. Et dans ce cas, on peut avoir affaire à une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques capables de relever le défi et de combattre le parti d'en face pour un jour enfin arriver aux élections. Et Ernesto a raison quand il dit que quand il se regarde, il peut être député ou non. Pourquoi pas ? Quand on ne croit pas en soi-même, quand on ne croit en rien, à quoi ça sert de faire de la politique ? Je ne suis pas entré en politique, ça fait presque 30 ans que je fais de la politique. Ce n'est pas pour la mangeoire quand je le fais.
J'ai risqué ma vie en 2019. Je suis le seul cadre du MRC à avoir manifesté physiquement. Je dis bien physiquement. On était 7 leaders à avoir été emprisonnés, Penéco Cadracero, Paul Erikingen, moi-même, Kamto et le reste. Mais je peux vous dire que celui qui a manifesté physiquement le 26 janvier 2019, c'est bien Célestin Djamène. Et ça fait me coûter. Dernière prise de parole. Je vais commencer par vous mettre. On terminera par. Ce que je veux dire de manière péremptoire, c'est qu'on ne peut pas faire le reproche à un parti au pouvoir d'adopter une posture pour conserver son pouvoir. Voilà. Ça, c'est légitime. Parce qu'en réalité, l'objectif pour un acteur politique, c'est de tout mettre en œuvre pour conquérir le pouvoir et le conserver. Maintenant, lorsque vous êtes opposant, vous devez aussi multiplier des stratagèmes efficaces pour renverser ce parti qui est au pouvoir. C'est pour ça que moi, je dis, passez le temps à parler du président Paul Biya qui a verrouillé le système. Passez le temps à parler du RDPC. Pour moi, c'est un discours dépassé. Aujourd'hui, l'actualité dans les partis politiques, ou bien l'impératif dans les partis politiques d'opposition, c'est de trouver une dynamique fusionnelle, une organisation qui peut, j'allais dire, leur permettre de trouver le meilleur stratagème possible pour faire partir le RDPC. Pour moi, ce n'est pas impossible. Tout dépend de l'organisation, tout dépend de la détermination de l'opposition. Dernière prise de parole sur le sujet, un historien. Albertine, si vous observez ces jours-ci, un opposant qui n'est pas concentré sur un, soit sur les règles du jeu, c'est-à-dire le déverrouillage. Deux, qui n'est pas concentré sur le RDPC, qui est le principal adversaire, qui est le principal ennemi qu'il faut enlever là, qui a depuis plus de 40 ans, c'est qu'il perd son temps, c'est qu'il s'ennuie. Et vous allez voir, vous avez posé la question sur l'issue de la ville de Maître Michel. Donc, c'est généralement ces deux routes qui sont ouvertes. La première, c'est la route alimentaire. On vous laisse vous créer un parti, on vous donne deux, trois faveurs administratives, soit un grade, vous montez en grade, soit si vous êtes un truc de ce genre. Je vous lance, parce que créer un parti pour vous, c'est la voie alimentaire? Non, c'est le premier moyen. C'est le premier moyen. Mettre sur un parti, c'est non, non, laissez-moi finir. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Quand on crée un parti politique, on a vu la défaillance sur la sphère politique. On a vu la porte. Je dis, nous avons déjà 300 partis. Oui. Créer un parti, c'est pas mauvais. Combien sont actifs? Laissez-moi finir. J'ai dit qu'il y a deux issues. Oui. Lorsque vous sortez d'un grand parti d'opposition, vous vous retrouvez à la rue. Quand vous êtes à la rue, vous avez deux issues. Vous créez un parti d'abord. À ce parti-là, vous pouvez lui donner une valeur alimentaire. C'est ce que je dis. Vous pouvez donner à votre parti une valeur alimentaire. Vous pouvez donner à votre parti une valeur de mobilisation. On a vu ça avec le SDF. Quand les communes sont sorties, l'AFP est sortie, ils sont entrés tous sur le terrain. Ils ont pris des communes. Mais vous allez voir des leaders qui sortent, qui se concentrent sur l'opposition dans laquelle ils étaient avant. Vous pensez que c'est quelle issue ça? Il y a des gens qui sont sortis du MSC, qui ont créé des partis, qui sont déjà légaux. Donc je dis que c'est voilà les deux aussi qu'il faudra observer. Je termine en disant que si un opposant est dans l'espace public et qu'il ne s'occupe pas des règles de jeu, qu'il ne s'occupe pas à comment enlever le RDPC, soit en créant, en travaillant pour un consensus, en travaillant pour des voies, je veux dire, de mobilisation générale, c'est qu'il perd son temps, c'est qu'il est en train de nous ennuyer. Merci d'avoir réagi pour ce premier sujet. Je vous propose de prendre une courte pause. On se retrouve juste derrière pour aborder le deuxième sujet prévu pour ce débat. Sur le plateau de Canal Presse, le second sujet qui nous intéresse ce jour, le 10 juillet 2023, le ministre camerounais des domaines, du cadastre et des affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, a demandé au délégué départemental de son département ministériel le projet d'exploitation du gisement de fer de l'Obé. Rappelons que le changement du site du port en eau profonde de Kribi, au début annoncé à Grand Batanga, avant d'être finalement construit à Boro, avait donné lieu à une ruée des acquéreurs de terrain, dont d'importantes personnalités du pays, sous le nouveau site du projet. Conséquence, la commission d'identification et de recensement des personnes expropriées, dont 10 membres se retrouveront finalement en prison pour avoir falsifié la liste des bénéficiaires. Elle avait présenté au gouvernement une enveloppe record des indemnisations d'un montant de 20 milliards. Professeur Kou Vondor, un scandale foncier de plus, peut-être même de trop, au Cameroun, une fois encore. Votre réaction, comme ça, chaud, lorsque vous entendez parler de 127 titres fonciers annulés à Kribi.
Mais je ne sais pas si au Cameroun, pour des réalités comme celle-là, on devrait encore parler de scandale. Lorsque tout est scandale, on en voit tous les jours, ça devient des choses tout à fait normales et banales, comme vous dites. Le fonctionnement de notre pays est comme cela, et ce, depuis de très nombreuses décennies. Rien ne nous surprend. Quand vous mettez un sujet comme celui-là sur la table, on se demande bien, qu'est-ce qu'on va encore dire qui n'a pas encore été dit là-dessus. J'ai seulement envie de dire que c'est du cinéma. On annonce que 127 titres fonciers ont été annulés. Ce n'est pas seulement ces 127 titres fonciers qu'il faut annuler au Cameroun. Je pense que depuis de nombreuses années, s'il faut annuler les titres fonciers, c'est 95% de titres fonciers qu'il faut annuler au Cameroun. Parce que tout baigne dans le faux. Je m'explique. Lors de la réforme de 1974, on a pensé à travers les textes une certaine politique. La réforme foncière était inscrite dans la stratégie de développement du Cameroun, à travers la terre qui est devenue, de ce point de vue-là, un bien. Il faut que le développement passe par la terre. À cette époque-là, la réforme a dit qu'il faut répartir les terres du Cameroun en trois grandes catégories. Le domaine privé, qui peut être celui de l'État ou celui des particuliers. Le domaine public, qui est le domaine de tout le monde, la res publica, qui n'appartient à tout le monde, qui appartient au public. Et le domaine national, la catégorie résiduelle. Lorsque une parcelle de terre n'entre pas dans l'une des premières catégories que j'ai citées, on considère qu'il s'agit du domaine national qui n'appartient à personne. Peut-être certains diront appartient à la nation, mais la nation n'est pas une réalité juridique. Donc c'est pour tout le monde. On a envie de dire pour tous les Camerounais. Ça n'appartient pas à l'État, comme j'entends souvent certains dire que le domaine national appartient à l'État, même si le domaine national qui n'appartient pas à l'État est géré par l'État qui se charge de la distribution. Et comment se fait la distribution des espaces du domaine national? Ceux qui occupaient avant 1974, on leur a donné un délai. Et ce délai, c'était le 6 août 1976, pour consolider leur possession foncière en transformant celle-ci en titre foncier. La date butoir, c'était le 6 août 1976. Passé ce délai, pour accéder à la propriété foncière, dans l'esprit du texte, on n'a pas besoin d'acheter. C'est le domaine national. On présente un projet de développement de cette terre-là. Par exemple, on veut construire une belle villa. On peut faire une plantation. En tout cas, on veut mettre le terrain en valeur. On fait un projet qu'on adresse à l'administration étatique gestionnaire des terres et vous obtenez ce qu'on appelle une concession provisoire. On vous dit, allez-y, montrez de quoi vous êtes capable dans le sens et dans la logique du développement du Cameroun. Vous réalisez votre projet et vous allez voir l'État administrateur de cette aire du domaine national et vous lui dites, j'ai réalisé le projet, État administrateur, viens voir ce que j'ai fait. Et l'État se rend compte que vous êtes valable, vous avez viabilisé l'espace, vous êtes inscrite à travers votre activité dans cette stratégie de développement et on vous accorde donc le titre foncier. C'est ce qu'on appelle la concession. Expliquez-moi alors comment est-ce qu'au Cameroun, après la date du 6 août 1976, oh que cela fait bien longtemps, on est encore en train d'immatriculer directement les terres. Ça a une explication, madame. C'est que les Camerounais n'avaient pas très bien compris parce que quand Aïdjo faisait la campagne sur la réforme foncière, tout le monde a applaudi sans rien comprendre. Ils n'ont pas compris qu'il y avait un délai. Et après cette date-là, les gens ont continué à aller déposer les dossiers. C'était l'époque où il y avait encore un peu de rigueur dans ce pays. L'administration foncière a rejeté ces dossiers et le message est parvenu auprès du président Aïdjo qui a dit « Laissez continuer à prendre les dossiers, on a donc instauré une tolérance administrative qui se poursuit jusqu'à ce jour. Mais seulement,
On peut comprendre la tolérance administrative. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que quelqu'un qui est né en 1980 établit un titre foncier en passant par la procédure d'immatriculation directe. Et on écrit avec la complicité de tout le monde, tous les intervenants à la procédure, qu'il est exploitant, occupant des terres depuis avant 1974, alors qu'il est né en 1980. Mais on accepte tout cela. Je le dis, tout ceci pour faire comprendre à nos téléspectateurs que la quasi-totalité des titres fonciers établis à ce jour à travers la procédure d'immatriculation directe sont des faux titres fonciers. Et le ministre des Domaines ferait donc mieux de nous annoncer qu'il a déjà annulé tous les titres fonciers établis minimalement par tous ceux qui sont nés après 1974. Et nous aurons également souhaité qu'il nous dise lui-même combien de ses propres titres fonciers obtenus par voie d'immatriculation directe, il a annulé parce qu'il en a. Tous les ministres camerounais en ont des dizaines, des centaines. Qu'ils m'expliquent comment est-ce que s'ils en ont l'âge, parce qu'en effet, certains sont nés en 1940. Ils étaient donc occupants d'un espace parce que la réforme foncière ne permet d'être propriétaire par voie directe que sur un espace bien précis, là où on existait, où on occupait avant 1950. Que le ministre, ou les ministres, les premiers ministres, et je ne dirais pas jusqu'au président de la République, parce qu'il n'est pas très gourmand dans ce domaine, mais tous ces gens qui sont autour de lui ont parfois des centaines de titres fonciers obtenus par voie d'immatriculation directe. Très bien. Si c'est vrai qu'ils sont nés en 1940, en 1950, c'est donc la preuve, c'est donc admissible qu'ils occupent l'espace depuis avant 1974. Mais comment peut-on, en même moment, occuper à Garoua, occuper avant 1914 à Bertois, occuper à Yaoundé, dans tous les quartiers, aller voir dans la périphérie. Je connais des ministres. Et si vous continuez à me regarder droit dans les yeux, je vais citer les noms. Qui ont immatriculé des arrondissements entiers, des villages entiers. Mais mon Dieu, monsieur le ministre des Domaines, c'est de la poudre aux yeux. Si vous voulez être sérieux, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, faites cette révolution. Je suis convaincu que vous ne pouvez pas le faire parce que ça va vous emporter vous-même. Parce que les titres fonciers, vous en avez sûrement. Très bien. Si vous m'attaquez au tribunal, parce que je vous ai diffamé, j'irai sortir tous les titres fonciers que vous avez. Très bien. Alors, on revient un peu sur le cas de Kribi, hein, de la Lobé, maître Kaka. Qu'est-ce qui est reproché concrètement à ces personnes à qui on aura des titres fonciers? C'est quoi le fondement juridique? Sur quoi est-ce que le ministre s'appuie? Oui, Albertine, avant de répondre à votre question, permettez-moi de rebondir sur un point que le professeur Prosper Nkoumvanda a évoqué dans son exposé. En réalité, le fait qu'on perpétue aujourd'hui, qu'on continue à pratiquer ce qu'on appelle l'immatriculation directe, ce n'est pas une tolérance administrative. En réalité, c'est une situation qui est entretenue par les textes qui régissent la procédure d'obtention du titre foncier au Cameroun, notamment le décret numéro 76/165 du 27 avril 1976, tel que modifié par le décret numéro 2005/481 du 16 décembre 2005. Parce qu'effectivement, il y a une disposition dans ce décret qui dit effectivement que vous pouvez obtenir le titre foncier par voie d'immatriculation directe, d'accord, en rapportant la preuve de l'exploitation ou de l'occupation des lieux par vous avant le 5 août 1974 ou en rapportant la preuve que l'un de, en fait, comment dire, un membre de votre famille, c'est dit dans la loi, que l'un de vous occupait. C'est pour ça que beaucoup vont vous dire, c'est des situations que nous avons de manière récurrente à Douala, où quelqu'un vous dit, il obtient un titre foncier, c'est pas moi dans la zone Bassa, dans la zone de PK16, PK17, PK18, il vous dit que c'est son grand-père qui s'était installé sur le lieu, il a mis le titre. Et c'est dit dans la loi, c'est là où l'imbroglio naît. Et effectivement donc, enfin je voulais d'abord lever cet équivoque pour vous faire donc observer que je suis entièrement d'accord avec vous que cette histoire d'immatriculation directe est
à l'origine d'une situation mafieuse généralisée aujourd'hui. Parce qu'en réalité, beaucoup de ceux-là qui obtiennent des titres fonciers par voie d'immatriculation directe, en réalité, ne peuvent pas véritablement rapporter la preuve de ce qu'ils ont mis cette terre en valeur. Première chose. Maintenant, ce que je voulais relever, parce que pour qu'on se comprenne très bien, et là, on va déboucher sur l'affaire des Kribi. Il faut d'abord essayer de revenir sur le mode d'acquisition des titres fonciers au Cameroun. Comment on devient propriétaire d'un titre foncier au Cameroun? Vous pouvez le devenir par voie d'immatriculation directe, comme on a dit, mais là, la condition sine qua non, c'est de rapporter la preuve de l'occupation des lieux avant le 5 août 1974, par vous ou bien par un membre de famille. Ça, c'est l'immatriculation directe. Vous passez par le sous-préfet qui fait descendre une commission consultative qui va constater effectivement la mise en valeur de cet espace par vous et on vous donne un titre foncier. Il y a le deuxième mode qu'il a décrit tout à l'heure, effectivement, c'est le mode qui avait été légiféré, qui avait été régi par le décret numéro 76/166. Sur la concession qui commence d'abord par être provisoire avant de devenir définitive. Vous pouvez également devenir propriétaire par voie de mutation. Ça veut dire là, vous achetez une parcelle de terrain auprès d'un autre Camerounais qui avait déjà le titre foncier. Vous achetez la totalité de cette parcelle. Il vous fait une mutation. Donc, on mute le titre foncier du nom du vendeur à votre nom. Vous pouvez également devenir propriétaire par voie de morcellement. Ça veut dire que ce particulier-là vous vend une partie de sa parcelle et cette fois-là, on va morceler son titre foncier pour vous établir votre titre foncier. Voilà en réalité ce qui se passe. Maintenant, il se pose donc que lorsque vous lisez les dispositions, là maintenant, je tombe sur le problème de Kribi. Parce que vous savez, on peut faire une lecture politique de la situation. On peut faire une lecture sociale et même sociologique de la situation, mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord une affaire juridique. Lorsque vous lisez l'article 2 du décret numéro 2005/481 du 7 décembre 2005, modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 76/165, du 27 avril 1976, portant, enfin fixant les conditions d'obtention du titre foncier au Cameroun, il est dit à la linéa 3 que le ministre des Affaires foncières, le ministre chargé des Affaires foncières, peut procéder au retrait du titre foncier lorsqu'il y a une faute de l'administration éprouvée au cours de la procédure d'immatriculation. Donc il a la possibilité, il a le pouvoir, le ministre a le pouvoir de retirer un titre foncier. Première chose. Et lorsque vous continuez l'exégèse de cette disposition, notamment l'article 6 de l'article 2 de ce décret, on vous dit que le ministre peut également, a le pouvoir de constater la nullité d'ordre public d'un titre foncier dans 4 hypothèses. Première hypothèse, lorsque plusieurs titres fonciers ont été établis sur une même parcelle, qu'est-ce qui se passe? Le ministre table propriétaire, au profit de qui on va donc dresser le titre foncier. Mais là également, c'est une disposition qui apporte beaucoup de fraudes. Parce que généralement, c'est le fraudeur même qui finit par avoir le titre foncier. Il y a une deuxième hypothèse. Lorsque le titre foncier est établi sur une dépendance du domaine public d'office, c'est-à-dire que le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du domaine public. C'est un titre nul. De nullité absolue. Le ministre a le pouvoir de constater cette nullité. Troisième hypothèse, lorsque le titre foncier est établi sur une parcelle du domaine privé de l'État. Maintenant, quatrième hypothèse, lorsque le titre foncier est obtenu sans avoir respecté la procédure édictée par la loi. C'est le cas de Kribi. Je ne sais pas. Vous savez, moi je suis un juriste. J'aime toujours apprécier lorsque j'ai tous les éléments. Je prends déjà les décors pour vous amener à vous interroger sur l'hypothèse qui est concernée. Maintenant, je ne sais donc pas. Parce que dans cette catégorie, on dit ceci. Que lorsque le titre foncier est établi, c'est-à-dire en violation de la procédure, vous n'avez pas respecté la procédure exigée, ou alors vous avez respecté une autre procédure. Le ministre constate la nullité d'ordre public de ce titre foncier. Je serais tenté de penser, ça je le dis honnêtement parce que je n'ai pas tous les éléments d'appréciation, mais je serais tenté de penser que
le cas des 127 titres fonciers de Kribi se retrouve dans cette hypothèse-là. Maintenant, si tel est le cas, parce que vous êtes des journalistes, vous êtes une brillante journaliste d'investigation, je pense qu'au sortir de cette émission, imposez-vous l'obligation d'aller investiguer, d'aller interroger la procédure qui a abouti à l'établissement de ces titres fonciers pour comprendre ce qui a motivé juridiquement le ministre à prendre cette décision. Maintenant, si tel est le cas, je serais tenté d'être d'accord avec le ministre. Et sur ce point, je suis également d'accord avec le professeur Prosper Nkoumoudo. Je peux dire que, effectivement, lorsque vous recensez la totalité des titres fonciers que les gens ont obtenus au Cameroun, vous allez trouver au moins 90% qui sont dans des situations qui n'ont pas respecté la procédure. Très bien. Alors, donc, grosso modo... Et même les conditions de fond. Mais c'est la procédure. Tout ça, c'est la procédure. Et donc, le ministre Ernest René est dans son droit, si l'on s'en tient à ce que nous dit Maître Kakak, le ministre est dans son droit. Sauf que, pour le professeur Kouvendor, c'est une goutte dans la mer. Rien du tout. Oui, oui, avec Kouvendor, parce que je le dis souvent, le RDPC nous a refusé des réformes dans ce pays. Le code électoral est malade, le code de la nationalité est malade, le code foncier est malade, le code minier est malade. Nous ergotons parce que ce code foncier a un problème. Les cas de Dicou le Haut arrivent parce que ce code foncier a un problème. Depuis 1975, avec ce qui a commencé, il y a des choses dans ce code-là où on dit une chose et son contrôle, on admet une chose et son contrôle, les gens se retrouvent dans les soucis. Kribi, c'est aussi plus une affaire de mafia et de mafia à ciel ouvert. Parce qu'il y a 10 membres de la commission des nominations qui sont en prison. Hein. Mm-hmm. Quand le port devait se faire à Gambatanga, et lorsqu'on l'a délocalisé pour Mboro, qu'est-ce que les gens qui ont l'argent ont fait? Les gens d'en haut là-bas, ils sont allés à Mboro, dans la procédure d'immatriculation directe, ils ont sauté des étapes, et ça peut se vérifier. Parce que l'étape de l'obtention d'un titre fonctionnel comme est long, lourd, administrativement long. Ça fait qu'on peut facilement voir une étape que vous avez sautée ici et là. Ils ont non seulement sauté toutes les étapes et obtenu des titres fonciers à une vitesse stratosphérique. Ils ont eu des mains dans les commissions d'indemnisation. C'est là où on a senti quelque chose qui n'allait pas. Et les indemnisations se chiffrent à des milliards. Il y a des milliards. C'est plus grave pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a accueilli un investisseur au Cameroun. Le gars vient pour nous aider, enfin, pour nous accompagner dans l'exploitation de notre fer. Il se retrouve en train de vivre les Camerouneries. Ou même pour avoir un cas dans son identité, c'est encore le vaudou. Il s'est dit, mais tiens, c'est quoi ces affaires de matriculation qui tiennent là? Il fallait donc expulger ces fonctionnaires pour partir de cette situation-ci. Parce que les 10 qui sont en prison là, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait pour d'autres investisseurs qui vont arriver plus tard? Comment dans un pays, Monsieur Ndiamène, où la moitié de la population a moins de 30 ans, on vous dit que pour avoir le titre foncier, il faut quel âge là? Je crois que c'est 40, 45 ans. Vous ne voyez pas qu'il y a une incongruité? Et vous dites, il y a l'âge. Et vous dites, essayez d'aller faire dans l'agro-industrie et autres là. Vous avez des trucs comme ça qui se contredisent un peu dans l'affaire là. Et l'affaire de l'autochtonie, est-ce qu'on va en parler un jour? Parce que, bien entendu, ça va devenir, professeur. Vous nous dites souvent à l'amphi que le droit a deux sources. Il y a la loi et il y a la coutume aussi. Pourquoi le papier qu'on appelle abandon de droit coutumier? Ça veut dire que le législateur a reconnu qu'il y a des gens qui, sur le fondement de la coutume, sont des propriétaires terriens. Et on choisit avec ce mauvais code foncier de garder les Camerounais pauvres. Parce que si, à partir du droit coutumier, on vous reconnaît que vous avez des terres, vous êtes bancable. Vous n'allez pas avoir des hectares et être pauvre. Mais si on ne vous le fait pas, on vous laisse à la merci des financiers du foncier. C'est cela qui était à Kribi. Ils trouvent des gens qui ont des hectares, qui ont faim. On dit, bonjour, vous êtes à votre foncier, mais vous me donnez ça, je vous donne ça, on se sépare. C'est comme ça que les Camerounais se retrouvent en train de brader leurs terres sous la pression de la famine, de la pauvreté et d'un code foncier qui ne les accompagne pas. Les frais de tension, madame, sont générés par les problèmes fonciers se multiplient de plus en plus. On a parlé de Dicolo, on parle de Makepe Saint-Tropez, c'est un autre problème. Hein. On parle de 500 personnes là-bas qui vont peut-être perdre leur titre foncier dans quelques jours. Il y a eu la vallée du Vitem. On peut revenir sur les petites différences qu'il y a dans ce problème, mais est-ce que c'est une question de gestion foncière? Est-ce que, comme la plupart ici sur le plateau, vous êtes d'accord que cette politique de gestion foncière, elle est mal établie et qu'il faut revenir là-dessus, il faut repenser une véritable réforme pour que les choses marchent, parce que peut-être que la prochaine guerre, entre guillemets, viendra du foncier dans ce pays. Et je voulais déjà me poser la question de savoir ce que c'est que la terre, pour commencer. Je voudrais répondre à moi en disant que la terre, c'est une des planètes du système solaire qui en a 9 et c'est la seule planète habitée. C'est la seule qui contient de l'eau, de l'hydrogène, de l'oxygène dans l'atmosphère.
c'est la seule qui a une végétation, la seule habitable. Et elle, elle occupe les 9% du globe avec les deux tiers des terres émergées. La terre, ce n'est pas un problème actuel. Revenons à l'époque précoloniale. Qu'est-ce qui amène les Occidentaux en fait en Afrique? C'est la conquête des terres. Pourquoi la terre? La terre, parce qu'il fallait caser le gros flux de leur population. Il fallait extraire les minerais pour leurs économies. Améliorer, n'est-ce pas, la qualité des industries. Ils arrivent. Mais lorsqu'ils viennent chez nous, nous avons vu également qu'au-delà de ces exploitations, nous avons eu une autre forme d'exploitation qu'on appelait les colonies de plantation, donc l'économie agraire. Ils ont fait des hectares de plantation. Nous en avons encore ici, du côté de Njombe. Ça a fait un grand bruit. On a un compatriote qui a eu maille à partir avec la justice à cause de ces plantations de bananes plantains. Et le titre foncier, le foncier au Cameroun, donc, commence véritablement avec la période coloniale, lorsque les Allemands s'installent. On fait de la terre camerounaise un domaine national. Quand ils s'en vont, les Anglos, les anglophones et les francophones bénéficient de ce titre-là, à savoir que la terre appartenait, n'est-ce pas, à la nation, et les gens en faisaient ce qu'ils voulaient. Lorsque les indépendances arrivent, qu'est-ce que le législateur camerounais fait? C'est d'essayer de sonner la fin de la récréation en mettant sur pied une forme de législation où on a un droit public et on a un droit coutumier, où les deux se côtoient un peu. On reconnaît que si vous êtes autochtone d'un endroit, vous pouvez être propriétaire de vos terres. Il y a aussi le législateur qui, quelque part, a le domaine public de l'État. Je ne vais pas revenir sur l'analyse du brillant professeur en matière, n'est-ce pas, de législation foncière. Donc, c'est vous dire qu'au-delà donc de la terre, nous avons maintenant le sous-sol qui intéresse et qui occupe. Alors, les problèmes qui se posent maintenant, c'est que l'administration se bute à des problèmes de développement. Pour se développer, il faut des terres. Alors, ce but à quoi? Il y a ce droit coutumier-là des propriétaires terriens qui sont là, qui ont tantôt des titres fonciers et qui n'en ont pas. Et mais quand même, il faut des DOP, parce que pour se développer, il faudrait très bien que l'espace, n'est-ce pas, soit donné à l'État, donné à des investisseurs à autres. Sauf que, au lieu d'accuser le RDPC, je voudrais vous dire que les Camerounais aujourd'hui sont dotés de très mauvaise foi. Nous sommes pour la plupart très malhonnêtes. Et dans cette malhonnêteté, nous allons jusqu'à spolier le bien de notre propre État, au détriment de nos autres concitoyens. Parce qu'on a plein d'argent, vous trouvez des gens qui sont propriétaires des petites villes et de tous les environs. Des gars, peut-être qu'ils laissent la ville parce qu'il y a la commune qui surveille quand même et qui a ses petits lots communaux, mais achètent chez les paysans vulnérables des parcelles entières aux alentours, à telle enseigne qu'on se retrouve sans rien. Il y a plein de villages aujourd'hui, il n'y a même pas de titre foncier, les gens ont acheté. Ça veut dire que c'est du gré à gré. On profite de la vulnérabilité des populations, de leur paupérisation. On profite des abus de faiblesse. On leur récupère, n'est-ce pas, des terres. Et puis, les plus zélés s'en vont, n'est-ce pas, faire des titres fonciers. Ils les gardent. Alors, quand vous trouvez aujourd'hui ce type de problème, les coûts fonciers à gauche, à droite, je voudrais même souligner que dans nos juridictions aujourd'hui, sur 10 problèmes, 8 sont fonciers. C'est ça. 8 sont fonciers et des gens ne savent plus à quel sein se vouer. L'État lui-même est en but, en proie à cela, parce que lui-même n'est que l'héritier d'un ancien système colonial qu'il essaye tant bien que mal de remettre, n'est-ce pas, en place. C'est un véritable problème. Alors, nous avons vu le cas de Dikolo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a été qu'une grosse roublardise sous le fallacieux prétexte d'un problème de développement. Vous parlez de Makepe aujourd'hui. Voilà Kribi Lalobé qui intervient. Kribi Lalobé, on ne peut qu'annuler ce titre foncier dans la mesure où, qu'est-ce qui se passe? Une forme de spéculation foncière. Les gens regardent la carte domaniale. On réalise que dans quelques années, il y a une entreprise qui sera là-bas. Et pour faire partie des indemnités, il faut bien que j'aille m'octroyer le pan de terre. On court, on va rapidement, justement, au prix de la vulnérabilité des populations, leur population, leur donner quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Ils tombent sur le coup, les gens s'accaparent des terres. Une fois donc que l'entreprise adjudicataire arrive, elle est obligée d'indemniser les populations. On se retrouve donc avec des noms, des gens qui ne sont même concernés. Ils ne sont pas concernés. Des gens qui arrivent comme ça, des générations spontanées de titres fonciers. C'est donc tout à fait normal que le ministère de l'administration territoriale se lève aujourd'hui et sont la fin de la récréation de ce côté-là. On a besoin de terres pour les infrastructures. On a besoin de terres pour des hectares de plantation, l'agro-industrie. On a besoin de terres d'exploitation de sous-sol. Donc, du côté de la Lobé, c'est de ça qu'il est question. On doit pouvoir exploiter le fer. Et il faudrait donc justement libérer les terres. Et on réalise qu'on croyait les terres vierges, on croyait que c'était un domaine national. On réalise plutôt que ça appartient à des propriétaires qui sont issus de générations spontanées. Automatiquement,
c'est vrai qu'il y a eu des plaintes qui ont prospéré du côté Douala, mais je suis en train de dire, si juridiquement on a des procès en cassation, on a des procès en référé, ça veut simplement dire que quelque part, on réalise qu'il y a des irrégularités aussi souvent dans les procédures. Donc, l'OPIS a coupé court, c'est l'annulation pure et simple de ces titres fonciers et de pouvoir permettre à l'entreprise de mener à bien son travail pour le développement du Cameroun. Si on s'en tient là, au développement de Mme Dikoumé, ce n'est pas tant la faiblesse de la politique hein, foncière, mais c'est plus une question, je veux dire, de netteté et même de malhonnêteté des Camerounais. Pour le cas de Kribi, par exemple, on ne peut pas dire que c'est un problème de la défaillance de la loi en matière de foncière, mais des personnes ont juste été malhonnêtes. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez vraiment qu'au-delà du cas de Kribi, il faut revoir et que tout ce que l'on voit en ce qui concerne les problèmes fonciers, il y a une grande défaillance au niveau du cadre juridique qui est en cas de domaine? Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Madame Dikoumé, d'ailleurs, rejoint le professeur Kumbono sur le caractère malhonnête, illicite des acquisitions des titres fonciers. Il a parlé de 95%, je crois, des gens qui ont acquis, des gens haut placés dans le sérail qui ont acquis des titres fonciers énormes. Je voudrais ici apprécier l'explication vraiment brillantissime de M. Kakak, qui nous a démontré avec des éléments juridiques à l'appui, n'est-ce pas, les cas d'immatriculation directe, n'est-ce pas, les années machin avec... Mais il est important qu'on sache que, qu'il s'agisse de morcellement dans le cadre d'un lotissement, qu'il s'agisse de transfert direct, de cession complète de droits de propriété, il faut respecter une certaine procédure pour l'attribution finale du titre foncier. Si le ministre constate effectivement, et ce n'est pas une question de nombre de titres annulés, mais si le ministre constate qu'il y a eu irrégularité dans l'attribution des titres fonciers, il est dans son rôle, il est dans son droit d'annuler même 1500 titres fonciers, à partir du moment où le mécanisme de procédural n'a pas été respecté. Donc que ce soit clair. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas confondre, comme je l'ai entendu dire de la part de Ernesto, le titre de notoriété et l'autochtonie. Parce que si vos ancêtres ont occupé un domaine pendant des décennies, pendant des siècles, évidemment, il y a une enquête qui est menée. C'est-à-dire qu'il y a, pour établir un acte de notoriété, il y a des témoignages qui sont requis, il y a des enquêtes qui sont menées, qui aboutissent à attester, avec dans des faits avérés, que tel enfant a le droit, même s'il n'a pas de titre foncier, d'occuper ce lopin de terre. Donc, qu'on ne confond pas l'autochtonie avec, effectivement, le titre de notoriété. Parce que le débat sur la réforme du titre foncier est un débat qui concerne d'abord le cadre juridique, qu'on soit acheteur ou vendeur. Parce que, effectivement, quand on parle de la genèse, c'est-à-dire que de la demande d'immatriculation, et qu'on dépose à la sous-préfecture, au cadastre, jusqu'à l'attribution finale du titre de foncier, en passant par le certificat de propriété, il y a des procédures qui sont précises et qui doivent être respectées. Donc, de ce point de vue-là, je crois que Mme Dikoumé rejoint Maître Convendant et même Maître Kaka. Maintenant, sur le fond, la question de la malhonnêteté revient sur quoi? Nous avons des personnes dans le CERN qui ont beaucoup de milliards, qui se croient autorisées de falsifier des documents publics, de s'inscrire comme bénéficiaire, avec ce qui a la queue, bien sûr, bénéficier des milliards d'indemnisations. Et ce n'est pas normal. Et là, le combat devient politique. Parce que là, on a des gens qui sont ministres, qui sont dans le gouvernement, qui ne veulent pas faire réaliser, la feuille de route que leur a indiqué le chef de l'État, qui s'occupent pendant leurs 10 ans de carrière au gouvernement à s'empiffrer, à se remplir les poches, à s'acheter des dizaines de titres fonciers de manière totalement illicite. C'est là le combat politique, et pas le combat sur l'autochtonie ou sur l'allogénie. C'est le véritable combat, c'est le cadre juridique qu'il faut respecter. Si l'État ne pratiquait pas cette tolérance qui finalement est funeste pour les populations, parce qu'en vérité, les personnes qui habitaient aux alentours de la Lobé, effectivement aujourd'hui, sont, évincées au profit des gens qui n'ont pas le droit d'y être. Et la preuve est que, de ces malhonnêtetés, les gens sont déjà incarcérés, comme vous l'avez dit, Ernesto. Donc c'est bien la démonstration que la réforme doit tendre, non pas à tellement créer d'autres articles de droit, de loi, pardon, mais à appliquer strictement, sur la base de la loi de 74 ou la loi de 91, les textes, tout simplement. Quand Aïdjo disait que la terre appartient à l'État, parce qu'il avait constaté qu'il y avait une espèce de fédéralisme communautaire qui ne disait pas son nom à l'époque. Et donc, pour éviter que la communauté s'érige, se barricade, effectivement, dans les enclos, je veux dire, identitaires,
il a déclaré que la terre appartenait à l'État. Si l'État veut lancer une autoroute, je ne sais pas, si malin, je ne sais pas, Foulane, n'importe où, et qu'il y a des occupants, bien sûr, ils ont l'obligation d'indemniser ces populations qui y habitent. Mais la terre, virtuellement, appartient à l'État. Il faut le reconnaître. Donc, pour terminer, je veux simplement dire qu'aujourd'hui, il faut simplement que M. Eyeba, ici, ne soit pas amnésique, qu'il n'applique pas seulement ça sur la Lobé. Il y a dans tout le Cameroun des tas de falsifications de titres fonciers qui sont complètement récurrents et n'en dit pas un mot. Donc c'est l'occasion pour lui simplement d'aller au-delà des 125 annulations, mais de ratisser. Il y a des commissions sur le terrain. Ouais. Les commissions qui descendent sur le terrain, les commissions rogatoires, les descendent sur le terrain, ça sert à quoi? Bientôt, on fait signe que c'est bientôt terminé. Professeur Kouvando, je reviens sur la même question. Est-ce que c'est le cas d'aujourd'hui qui pose problème et c'est son interprétation? Est-ce que vous avez le sentiment que tout est clair? Oui, absolument, le cas du juridique cause problème. Vous avez une réforme de 1974 qui est encore en vigueur. Vraiment, c'est la preuve, s'il en était encore besoin, que le pays n'est pas gouverné. Parce qu'on gouverne à travers la pose des normes qui permettent de nous orienter, de nous réorienter lorsque ça ne va pas. Parce qu'on peut bien avoir mis en place une réforme, à un moment donné, on se rend compte que ça ne tient pas la route, il faut donc corriger. Mais combien de normes sont corrigées? Parce que la norme doit s'adapter en permanence aux réalités. On préfère faire absolument dans le non-droit, dans la fraude, alors qu'il s'agit simplement d'une question de gouvernance. Non, le débat devient forcément politique. Mais j'ai envie de corriger, parce que chaque fois, je suis devant mon écran de télévision, j'entends tout le temps des gens dire cela. Et c'est ce que M. Ndjamène vient de dire. La terre, Aïdjo n'a jamais dit que la terre appartenait à l'État. Non. L'État n'est pas propriétaire des espaces du domaine national. C'est des espaces qui n'appartiennent à personne. Et ça représente près de 80% des terres au Cameroun. Notons-le bien. Ça n'appartient... appartient d'abord à l'État. Oui, mon Dieu. L'État est une personne juridique. Et je parle avec le regard de Maître Kaka. Pour être propriétaire, il faut avoir la personnalité juridique. Et l'État a ses terres. L'État est titulaire des titres fonciers. C'est ce qu'on appelle le domaine privé de l'État. L'État est donc propriétaire de ces terres, qui sont d'ailleurs, en termes de proportion, assez minimes. Le reste là, c'est le domaine national qui n'appartient à personne, mais qui est géré par l'État. Aïdjo n'a pas dit que les terres du domaine national appartiennent à l'État. Aïdjo a dit, puisqu'on le met sur le plan politique, Aïdjo a dit que l'État a ses terres. Les particuliers ont leurs terres. Il y a aussi les terres du domaine public qui n'appartiennent à personne, mais qui sont gérées par l'État, administrées par l'État. Et ça appartient, et c'est pour tout le monde. Tout le monde peut en faire usage. Mais il y a le domaine résiduel qui n'appartient pas. Je suis en train de marteler là-dessus. Mais gérer, le gestionnaire n'est pas propriétaire. C'est le domaine de tout le monde, en quelque sorte. Tout le monde peut en chercher avec vous. En redevenir propriétaire. Mais les 475 kilomètres carrés appartiennent à l'État du Cameroun. Non, mais il y a des règles à respecter. Non, c'est la nation. L'État peut exproprier. Ne confondons pas l'État et la nation. Mais justement, ne sont pas le domaine national. Le chef de l'État. Alors, je vais être d'accord avec M. Ndjamène. Vous savez, il y a des moments où on est d'accord, des moments où on n'est pas d'accord. Mais terminer, sur ce plan-là, pour 30 secondes. Que c'est véritablement une mafia. Et pour le sujet qui nous interpelle en ce moment, voyons bien qu'il s'agit des personnes qui sont allées engager des procédures d'immatriculation avec l'intention, non pas d'y investir, mais d'être indemnisées. Il s'agit donc de qui? Il s'agit bien évidemment des personnes qui, très bien initiées quelque part, ce qu'on appelle délit d'initié, savaient que ces terres-là feront l'objet d'une exploitation par un projet. Et c'est pour cela qu'ils ont dans la malice, dans la mafia, ce n'est donc pas le petit citoyen lambda qui allait faire immatriculer ces fonciers qui sont annulés aujourd'hui. C'est bien des pontes du régime qui savaient bien où ils allaient, dans une logique de détournement de biens publics. Très bien. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Je voulais en dire plus, mais comme non, il y a plus de temps. 30 secondes. Je voulais simplement dire que... Bon, en fait, il y a plus assez de temps. Je voulais simplement dire que la décision, de mon point de vue, du ministre Eyeba ici, c'est une décision salutaire. Mais sauf qu'avec ce ministre, ce que nous vivons, parce que moi, je vis les problèmes fonciers tous les jours, avec ce ministre,
On n'est jamais sûr de rien. Parce qu'il prend une décision aujourd'hui, une semaine après, il retarde la décision. Donc, quand il fait un pas en avant, il fait deux pas en arrière. Première chose. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il a pris une décision qui victimise, j'allais dire, 127 propriétaires. Mais la décision qu'il a prise, c'est une décision qui est susceptible de voie de recours devant les juridictions administratives, en respectant la procédure. Donc, ces familles, maintenant, peuvent attaquer. Et naturellement, celui qui aura raison, celui qui aura respecté la procédure, je pense que la justice va le restituer dans son droit. C'est ça qui est très important. Maintenant, la dernière chose que je vais dire, c'est que par rapport au petit échange qu'il y a eu tout à l'heure, le domaine national, effectivement, n'appartient à personne. Ça n'appartient pas. Ça peut appartient à toute la population, mais c'est géré par l'État. C'est pour ça que lorsque vous sollicitez une immatriculation directe, c'est le sous-préfet territorialement compétent que vous saisissez. C'est lui qui fait descendre une commission consultative pour venir constater l'effectivité de la mise en valeur de l'espace. Merci pour toutes ces précisions, s'il vous plaît. Oui, on a une dame. Rapidement, madame, je voudrais avoir l'endroit d'un ancien ministre du gouvernement qui occupe un terrain aujourd'hui qui a été une donation de mon arrière-grand-père à son père à lui. Nous avons ce document, qu'il ne se contente que de cette donation. Mais il veut toujours étendre les tentacules, cherchant à corrompre mes cousins qui sont plus pauvres au village. Je vais lui dire aujourd'hui que le préfet lui a signifié qu'il ne saurait être propriétaire de cette terre-là. Sous prétexte que moi, je ne suis pas ministre, parce qu'il dit qu'il n'y a personne, qu'il le retienne, qu'il le retienne. Merci, on va refermer. Le ministre a résolu une situation. Mais il n'a pas résolu le problème. Le problème, c'est le code foncier. Très bien. Voilà. Vous pensez quand nous parlons, c'est plus... Merci, c'est la fin. Merci à vous d'être venus, chers monsieur et madame. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres sujets, d'autres invités. D'ici là, restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. Je rappelle qu'il y a un forum qui sera organisé du côté de l'Assemblée nationale demain qui concerne le Commonwealth. Les députés et émissaires pour cette rencontre viendront de plusieurs pays d'Afrique. Vous aurez le direct de ce forum, le déroulé sur les antennes de Canal 2 International. Nous n'avons pas pu parler, vous avez vu, il y avait beaucoup de sujets. Et ce soir, ne manquez pas ce rendez-vous, l'interview exclusive de Maître Michel Ndoki, qui s'exprime donc après son exclusion du MRC. Bon dimanche à tous et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. We'll be right back.